j'ai plus besoin de l'aperçu à ce niveau-là. Je devrais être tranquille. Re ou bonjour à toutes et tous, si vous n'étiez pas là le matin pour le vroom-vroom du camion. Que dire, que faire? J'espère que vous allez bien. Il commence à faire chaud, hein, début d'après-midi. On continue les péripéties avec Miss Croft, Miss Lara Croft. Et j'ai fini par trouver la solution hors antenne où je me disais coincé en fait. Mais je me suis mis bêtement une barrière psychologique. Il faut retourner là où j'avais dit qu'il y avait de la flotte. C'est bizarre, la pièce d'eau, je la voyais comme une salle de retour, mais non. C'est une salle aller. C'est juste que j'ai pas voulu croire en Lara Croft, honte à moi, qu'elle pouvait s'agripper sur leur bord, quoi. J'y suis parvenu en antenne. Mais bon, c'était un jour où il faisait chaud, hein. La chaleur m'a pas réussi. J'avais fait à peine 2 heures, même pas 1 heure et demie, je crois, de Lara Croft. En fait, c'est ici que ça se passe. Il faut que je me mette là. Et il faut que je trouve moyen de m'accrocher au mur. Quelque chose comme ça, je crois. Voilà. En fait, c'était aussi bête que ça. Voilà. Et là, c'est la suite de l'aventure. Alors. Il y a un truc à escalader qui est ça, apparemment. J'aille par là. Du coup, je sauvegarde ma progression. Je vais peut-être bien être dégainé parce que je vais peut-être avoir du grabuge. Oh! J'en ai presque des frissons de me retrouver à l'extérieur. Bah mince, c'est là d'où je viens. Oh, je suis un abruti, je reviens de là d'où je viens. Toi, savoir parler le bon français, ouais. Vous, de Dieu. Je savais que ces remparts étaient trop hauts. Hein? Il y a un patelin au loin. Ouais, il y a un village. Je n'y crois pas, mais Lara Croft, je vais la tenter. Je n'y crois pas, mais je vais la tenter. Et là, au miracle, elle arrive à le faire. Oh! Et oh oh oh! Elle aurait pu, sans déconner. Sans déconner, elle avait plus de portée que je ne pensais. Une fois de plus, Lara Croft qui me bluffe. Si, si, elle l'a fait.
Pardon. Oh oui, je suis dans un endroit prévu pour. Bon, je présume qu'en face je peux pas, hein, je vais pas non plus. Lara Croft en mode parafoudre. Merde! Ah, j'ai du bloc et ça se voit pas fait mal. Hein? C'est quoi cette vieille? Oh mon dieu, qu'y a-t-il? C'est étrange. Une arrivée par le dessus? Non. Vraiment étrange. Oh, un plan d'eau. Ah que glouglou. Ah que glougloute. Oh mon dieu. Elle partait en pleine mer. Mais je peux rien faire. Je peux rien faire. Cette caméra nous veut nous tromper, veut nous cacher quelque chose d'évident. Merde, j'ai. Ah! Voilà. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Oh non, je suis à contre-courant. Mais non, mais elle va se noyer, la pauvre Lara. Mais non, mais remboursé. Mais. Attendez. J'ai pas le droit de rejoindre la surface? La voir en train de faire des brasses façon crapaud, ça me fait délirer. Elle fait sa toupie maintenant, allez hop. Bah alors là, oh malheureuse, t'as failli mourir noyée. Oui, mais je suis sorti de cette fortification. Il faut bien que j'aille quelque part à l'opposé. Merde, j'ai tombé dans l'eau. C'était pas mon souhait, j'aurais aimé rester au sec. Si je peux rester au sec, s'il vous plaît, merci. Non! C'est la malédiction! Ah non! Mais c'est pas possible, mais non, mais Lara, c'est honteux. C'est un scandale. J'aimerais rester au sec en sautant sur la rive opposée. Possible? Possible, merci. Ce changement de caméra qui perturbe. Et merde, homme. Imidoum. Mais doum, crotum, chiotum, bordeloum, je ne trouve pas mon chemin. Oula. Et si je reste encore une heure en extérieur, la nuit va tomber, ça craint.
On dirait de la vieille chanson française, monsieur Dame. Improvisation totale. Merde. Je serais tenté de retourner sur l'édifice parce que... Pardon. Oula, ça y est, je redeviens Monsieur Rototo. Attends, je viens pas de là, moi? Du tout. Oh non! Oh non! J'ai réveillé les morts! Oh non! Non, mais c'est abusé! Oh là là, oh là là! Les crâneurs en mode vous ne passerez pas. Nope. Non bah ils sont déjà morts donc j'ai un petit souci. Oh les salibots. Mais non, mais... Ils m'ont déjà suivi. Ah! Oh là 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 là. Non, non, pas encore la muerte. Oh, allez, enfuis-toi, Lara, vite. Panic on board. Oh, wow, ça va chercher loin. Ah ouais, carrément. Ah c'est beau. Ah c'est beau. Waouh. Ah j'aime beaucoup. Ça fait site gallo-romain, j'adore. J'adore, j'adore. Waouh. Ouais non mais ça c'est une porte, ça se voit. Je peux honteusement bousiller les... Oui. Ah, quel archéologue cette Lara Croft. Elle bousille tous les vestiges. Elle tue toutes les espèces protégées. Nous l'adorons. Je la massacre. What? Le truc s'est affaissé. La plateforme s'est affaissée. Pourquoi? Que signifie? C'est un portrait de d'un dieu ou non? Oh! C'est un mur bouton. Ah, j'ai pas compris. Oula.
Mais là, elle peut rien faire, elle a 4 cases. Elle peut rien faire, la malheureuse. Elle peut reculer? Non, elle peut pas, la pauvre. Il faudrait que le système... Non. Eh non. Non, je peux pas. Il y a de quoi faire fonctionner les méninges. Attends. Le mur bouton, j'ai déclenché un truc. Quoi, je sais pas. Pourtant, j'avais une vue caméra, mais... Ah, c'était peut-être chronométré. Faut peut-être que je recommence, non? Non. Le truc est vraiment enclenché. Plafonnier, ça aurait été dommage de le louper. Est-ce que je peux monter dessus? Non, j'ai pas le droit. Le fait de monter dessus pose problème? Ah ouais. Ah, c'est une énigme. Ce jeu est une énigme. Ah bah il y a le truc en face. Putain, j'avais même pas vu. Mais non, c'est la 12 juin. Mais non, c'est la 12 juin, je suis un abouti moi. Oh bah merde. Bizarre, bizarre, bizarre. Ou alors j'ai libéré un truc en dehors de la... Il faut que je sorte du niveau. Oh! Ils sont déjà là, eux. Oula. On va peut-être atterrir sur du pas trop bas. Ah, j'aurais pas vidé l'eau par hasard ici. Refaire femme. Oui, mais là c'est où là? Là c'est la mort là. Il faut qu'elle passe par là, Lara. Attends, faut qu'elle passe là où il y a des. Il y a des barres au mur. Même pas. Bon, ok, c'est pas grave, elle s'est même pas pété la cheville. Elle est extraordinaire. Attendez. Quoi? Mais pourquoi? Mais je ne comprends pas. Il faut que je tire. J'ai lancé celle-là, je m'y attendais pas. Bah alors, Lara, t'as l'air appelée aujourd'hui. Mindier. Je ne m'y attendais absolument pas. Ah, attends, je retourne là, je vais faire un chargement de niveau parce qu'il faut que je déclenche le schmilblick au fond avant de ressortir. Voilà, il faut que j'appuie sur le bouton mural et je déclenche je sais pas quoi à vrai dire. Il y a un truc qui est monté. Ça a son importance, mais pour plus tard. Attends, faut que j'étende mes jambes parce que j'ai mal aux pattes. La circulation sanguine qui se fait plus, c'est pas bien. Alors, attends, là j'ai les squelettes de fous furieux qui me poursuivent. Merdome. Oui, j'ai pas compris le coup du boulet là. J'ai fait ça et j'ai eu le boulet qui est tombé. Hop là!
Et le truc va m'aider ou pas? J'ai pas l'impression. Non, je fais rien avec ça, moi. Là, je piche pas, là. Faut que je sois en face et que je tire. Attends, non. Saute voir et tire voir, ma grande. Non, tu veux pas. Ouais, je sais pas, non. Bon, alors je vais essayer de passer par là. Je clique. On va peut-être allumer une torche là. Là, parce que là, on n'y voit plus rien. Torche, Lara. Non. Comment ça, non? Non, 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 non. Comment ça, non, 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 non. Tu vas pas me dire que t'as plus de torche? Bah, t'en as 164. Non. J'ai envie de lui répondre, mais arrête de te payer de ma gueule. Non, 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 non. Mais comment veux-tu que je passe, moi? Lara, je te comprends pas. Au secours. Mais... Ah, il faut que je fasse un demi-tour et que je... Oh là 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 là. Ok, d'accord, d'accord. Merci, Lara. C'était trop lui demander. Aïe, aïe, aïe. Et c'est quoi l'intérêt de cette prison? Non. Elle est sérieuse? Elle est sérieuse. Bonjour, Christella. Oui, une scène de ménage avec Lara, oui, on peut dire ça. Non, mais il y a des moments, franchement, elle me surprend. Il y a des contradictions par moment, enfin bon, bref. Mais au final, voilà, elle finit par s'en sortir. À part ça, tu vas bien, Christella? Bisous tout plein. Ah bah c'est là! C'est ici que j'ai actionné le truc. Ah, j'accède au même bâtiment mais par une autre entrée pour me retrouver dans une autre pièce dans les étages. Ah, c'est vicieux. Et ça, je pense qu'il faut le tirer. Oh là là! Ah, et c'est des malins chez Edio, ce core design. Ouais, ça va bien, c'est cool. Bon, en espérant que tu souffres pas trop de la chaleur, mais ouais, on sait tous que le mercure va grimper. Oh, fan, t'as des nouvelles de Turc. Ah, tu rebondis sur le coup d'hier chez Poupon. Ah là là, tu loupes rien, fan, t'es terrible. Ah, attends, là j'ai libéré un accès symboliquement parlant. Ouais, bah accès qui me donne rien. Ah, j'ai compris, je suis à l'étage du dessous. Ah, les bandes de malins. J'y viens de capter le comment du pourquoi. Ah, oh, les malins. Ah, oh, mais c'est vachement bien fait. Ah, j'adore. J'adore, mais il faut que je retrouve mon chemin. Ouais, t'as encore l'oreille un peu bouchée. Ouais, bah avec le temps, ça va se décongestionner, va. Le plus important, ça va être demain. Tu nous en diras sur ton antenne. Enfin, je sais plus si tu prends ton antenne demain, fan, mais... Tu as trouvé quelle porte pour ouvrir avec la clé? Ben voilà, c'est là où je suis en fait. C'est dans ce secteur-là. Effectivement, j'ai trouvé la clé qui correspond. Sachant que la deuxième porte qui vient de me résister à l'instant, je vais me la faire sauter au pied de biche.
Enfin, la barre est mine. Donc. Là, sans déconner, je sais quoi faire. Ce qui m'en fout, c'est de voir les squelettes, là. Eux, ils devraient errer dans le royaume des morts. Je sais pas ce qu'ils viennent faire là, mais bon. Après tout, pourquoi pas. Hop, 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 et hop. Pas que tu as l'air un peu. Moi, je me... Oui, c'est bon, ça passe. Allez-y, où? Alors, c'est là, il va falloir que je sauvegarde. Ouf. Bon. Alors, maintenant, je dois avoir... J'ai dû gagner un mouvement de plus, je crois. Ou pas. Ah, mais oui, le truc ne s'affaisse plus. Logique. Logique continue, tiens. On y croit, on y croit. On avance. Ah mince, c'est vrai que je suis bête. Mon café au lait, je l'ai fini tout à l'heure en faisant vroom vroom camion, moi. Attends, le bestio, faut que je le pousse là-bas, en fait. Allez, de la gym, Lara. Oh, ish. Sinon, j'ai mon sirop de cerise. Allez là, ouais. Allez là, ouais. Normalement, c'est la dernière fois. Qu'est-ce qu'elle se fait pour chasser par un spectre? C'est quoi le délire? Ah! Ça jette un froid! Ah! Mais qu'est-ce que quoi? C'est, les squelettes vont rencontrer le... Oh, j'avais pas vu qu'il y avait un truc là. Ah, la petite trousse à la pharmacie et cartouche à pépon. Elle peut le faire ou elle peut ne pas le faire? Alors, ça me ferait suer de recommencer parce que j'ai quand même ramassé deux objets. Je suis en train de me perdre dans le menu, ouais. Allez, tu peux le faire, Lara, t'es la plus forte ou pas? Bon, elle est douée, mais faut pas abuser non plus. Il faut qu'ils arrêtent avec leur saut de ninja là. Bon, l'esprit du mort là, il faut que j'en fasse quoi? Ah, ça a ouvert en face! Oh. Oh. Alors qu'il est en train de se fondre sur moi là. Oula. Ah. Oh. Oui, c'est sa sépulture, c'est ça. Oh. Il s'est passé un truc. Non, profanation ? Ou pas profanation ?
Ça représente quoi? Un hibou, je sais pas quoi là. Bon. Je vais honteusement péter ce. Ou pas. Non, sérieux? Ah, il est incassable. Bon. Attends voir, c'est pas un vase qu'il faut manipuler. Non, c'est pas comme en Égypte. Enfin, je dis ça, on est encore à Alexandrie, mais. Mais là, là, c'est autre chose ici. Alors attendez, je viens de là. Oula! Oula là, c'est les ténèbres en bas. Ah, ça va, c'est bon. Je m'attendais à avoir un puits sans fond. Waouh, on voit qu'il y a une porte qui nous fait face qui n'est pas encore ouverte. Oui, donc pardon, je reviens de manière plus complète sur ta question, Christella, par rapport à la clé de la porte. Mon erreur avait été de me mettre une barrière psychologique. On le voit dans les premières minutes de ma prise d'antenne. La pièce d'eau, je parlais de la pièce d'eau précédemment, où je me disais, mais tiens, c'est une salle de sortie le truc, mais non. En fait, elle peut très bien rentrer. Et j'ai fini par le faire hors antenne. Donc du coup, j'ai repris à là. Pardon. Attendez, je reviens par là, moi. Excusez-moi, attendez, je suis Peltulbich. I am Peltulbich. Tac, 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 tac. Ok, une seule pièce, deux manières d'y accéder. Ok, ok. Le coup de la corde, là, je peux m'y agripper. Merci, Lara. Heureusement qu'elle a des mitaines, parce que sinon, elle aurait complètement explosé les paumes de ses mains, complètement brûlées. À descendre comme ça. Oh, m'a fait flipper. Oh, c'est piégé, ça va se refermer. Ouais, oui, forcément, sinon c'est pas drôle. Ouais, oh là, il y a un tremblement de terre là ou quoi? Oh. Hein? Alors, je m'attendais à pas ça. Je ne m'attendais pas. Je faisais une prise d'élan. Oui, c'est beau, ça en jette, ça fait peur, c'est vertigineux, mais elle peut le faire. Allez, Zou, tu peux faire Tarzan et raccrocher à la corde, non? Pas, si tu peux, mettre une chef là, magnifique. Aïe, 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 aïe. Et je me balance, et tu te balances, et nous nous balançons. Mince, je ne sais plus. Je sais plus comment on fait pour se balancer. C'est pas tout connement. Non, là je monte et je. Là je. Merde, homme. Ah, j'ai pas l'air. J'ai pas l'air idiot. Attendez. Faut pas qu'elle ait de crampes. Surtout pas. Ah, je savais même pas que je pouvais faire ça, tiens. Oh merde, j'ai fait échappe. Ah, le con. Attendez, excusez-moi. On retourne dans le jeu. Voilà, bien fait. Bien fait pour ma tronche. Ah. Ah, là où je me dis que je suis bête, j'aurais peut-être dû programmer une lessive avant de lancer mon direct. Trop tard, tant pis, c'est pas grave. Je ferai ma lessive demain.
Chibidou. Bon, alors attends, en face c'est quoi? Oui, en face c'est la mort. Je n'étais pas si près que cela. J'ai un problème de perspective. Alors. Ah, j'ai retrouvé la touche. Point d'exclamation. D'accord. Et je me balance, I tout te balance, et nous nous balançons. Diga 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 diga. Non, il faut que je sois face à l'autre corde là. On y. Oh là, c'est un peu Gerbotron là, au secours, maman, j'ai peur. Mais les lieux sont absolument magnifiques. Les lieux sont absolument magnifiques. Attends, là. Attends, elle peut se balancer. Ah, je suis traviole. Ah, au secours. Au secours, maman, j'ai peur. Non, là, arrête ça, au secours. La la dali tuta. Dali dali dudi. Là, elle peut le faire. Non, je suis pas dans l'axe. Pouah, dur. Dur, dur, dur. Alors là, je vous promets que je sauvegarde si j'arrive en un seul morceau à l'autre bout, là, parce que... Attends, faut vraiment que je... Je me mette face à la corde. Voilà, là, ça m'a l'air correct. On y retourne. Allez, là, allez, là. Au prochain, on y va. À la une, à la deux, à la trois. C'est pas ça. J'aurais dû garder le la touche appuyée. Merde. 3 heures plus tard. Aïe. Tout ce que j'ai à déclarer. Aïe. Les Allemands, ils étaient souvent dans l'axe durant la Seconde Guerre mondiale. Quelle horreur. Le pire, c'est que c'est vrai, historiquement, c'était les Alliés contre l'axe. C'est vrai. Bon, alors. Et je me balance, et tu te balances, et nous nous balançons. Quand j'aurai compris le système de cordes avec Lara Croft, je crois que ce sera bon. Ou pas. Ah, attends. Mon cerveau est en train de me dire appuie sur la touche chaud au moment de t'éjecter de la corde. Ouais. On y croit. Attendez. Je vais finir forcément par apprendre de mes erreurs. Je vais forcément retrouver la bonne combi. Oh la vache, c'est vicieux. Parce que le tuto, évidemment, vous pensez bien que j'ai oublié depuis. Après tous ces épisodes. Avec les Japonais, les Italiens, ouais. Ouais. Bon, allez, on y croit. Une... 2, 3, 4 et 5, c'est la bonne. Et 5 et saute et non, merde. Non, je... Merde, où? C'est quand même dingue que je sois bloqué à l'épreuve de la corde. Ou alors je me balance pas assez. Il faut vraiment que je tangue à mort... Attends, si je fais un truc à l'arrache,
Là, Judith se balançait comme une grosse maboule. Elle prend jusqu'à quelle amplitude? Au niveau du fait de se balancer. À mon avis, je lâche au mauvais moment le... Non, elle va pas loin. Elle va pas loin. Bah merde alors. Hop. Ouais, elle peut descendre un peu plus vers le bas. Bon, c'est toujours ça de prix, mais... On est d'accord, il n'y a pas de corde sur le côté. Non, il n'y a pas. Alors, vas-y voir. Allez, c'est parti, on y croit. Oh, vache! Oui, Lara! Oui, je t'adore! Génial. Je sens qu'elle va se manger le mur. Je la plains d'avance. Je sens qu'elle va déguster du mur. Oh, j'ai mal pour elle. Je suis un petit nouveau. N'importe quoi, fun fan. Ouais, la malheureuse, ouais. Oserais-je dire que je la fais crier? Quelle horreur. Ah, mon Dieu. Je plaide coupable. Ah, mon Dieu. Oui. Mais non, mais non. Mais elle avait plus d'amplitude. Remboursé. Oh. Oh, j'étais si proche. Incroyable. L'épreuve de la corde là, c'est... Ça me rend fou. Attends, faut qu'elle descende bien en bas au bout de la corde. Première étape. Deuxième étape est en direction de l'autre corde. Donc faut trouver le bon angle. C'est vraiment pas évident. Je fais des petits à-coups de touche fléchée là. Voilà. Là, elle peut commencer ensuite à se balancer. C'est bien. Et bon moment. Ou pas, mais non! Oh, ma mince! Tu seras à l'aise avec les sondages, les prédictions. Tu pourrais faire prédiction. Est-ce que j'y arrive avant 16 heures? Est-ce que j'arrive en face avant 16 heures? Enfin bon, on est que deux, mais bon. Aïe, aïe, aïe. Oh, la misère. Je vous préviens que si je me trouve trop longtemps en situation d'échec, à 17 heures, je mets mon vilain et je bascule sur du Minecraft. Hein. Que je me détends dans votre compagnie. Alors. À quel moment faut que je lâche? Là, quand elle est où? Oui! Mais non! Mais non! Mais elle était dans l'axe! Oh, il y a un paramètre qui va pas à chaque fois! Oh, la misère! Vous, Dudu! Bah là, la malheureuse! Moi qui croyais qu'elle tenait le bon bout. Mmh.
non, trop court. Je reconnais que les concepteurs du jeu sont malins. Stabilise. Oui, bah là c'est bien. Elle est dans l'axe, Miss Croft. Allez, on y croit. Allez, allez, oui, merci, Lara. Une corde sur deux. Message de FunFan 1992, ton horloge je n'ai pas à l'heure à la 20 minutes d'avance. Quoi? T'es sérieux? Même mon horloge chez moi m'indique qu'il est 15h53. Je vois pas mon retour complet d'interface, alors sur le coup tu me dis ça, tu me fais flipper. Encore que je pourrais regarder sur mon retour de tablette pour avoir vraiment le signal que je diffuse, mais attends. Non, pardon, petite interruption, tu me fais flipper du coup, FunFan. Ma chaîne. Attendez que je me regarde. Mais non, c'est bon. Bah, qu'est-ce que tu me racontes, FunFan? Message de FunFan 1992. Anon, elle est à l'heure, il est déjà presque 4 heures, j'ai pas vu le temps passer. Mais t'es redoutable, FunFan. Tu es redoutable. C'est bon, la vie en Provence. Ah, tu me vends du rêve, là. Ah, on oublie le temps. C'est beau. Ah, t'as vu 33. Tiens, c'est la police de caractère qui est peut-être trop fine. Oh, t'exagères. Même sur ma tablette en petit, je le vois. Oh non, t'abuses, FunFan. Je valide pas. Aïe, aïe, aïe. Bon, espérons que ça me fasse réussir le saut. Non, trop court. Ah, tiens, du coup, je vais boire un coup. Oh, mince. Mince, mince, mince. La première fois, j'étais si proche là, une des premières fois. J'étais si proche. Oh, elle a effleuré des doigts la plateforme en face. Ah, c'est sur ton ordi, d'accord, que t'as vu ton 3. Ok, tu me rassures. Enfin, ou pas. Mais ça me rassure pour mon paramétrage à moi. Attends. L'horloge et les autres chiffres affichés sur ton direct, c'est un widget de Windows? Pas du tout. C'est moi qui l'ai programmé. Je vous ai fait une démonstration une fois, je pourrais la refaire à l'occasion. J'ai programmé en fait une interface en langage Pascal avec des éléments de composition de Windows. Et en fait, à part l'horloge de temps réel, les informations, je les ai extraites d'une chaîne de caractères qui est accessible dans mon compte Wisebot. Et la chaîne de caractères en informatique, je la traite. C'est-à-dire que je prends ce qui m'intéresse. En fait, c'est une très longue chaîne de caractères que Wisebot émet toutes les secondes. Et il y a tous les paramètres de ta chaîne en temps réel. Et moi, j'ai pioché ce qui m'intéressait.
Ma plus-value à moi, mon point fort, c'est que j'arrive à voir le nombre de messages complètement sur la droite en bleu clair, en bleu turquoise. C'est le nombre de messages que vous avez postés sur mon chat. Ça m'empêche pas de jouer en expliquant. Et ça, je suis fier de ça parce que c'est un élément qui est rare, qui se trouve généralement que sur les diffuseurs sur PlayStation. C'est la PlayStation qui propose un compteur de messages. Et moi, j'ai réussi à retrouver la variable dans ce que propose Wisebot. Et je l'extrais, si tu veux, à chaud de la mémoire sur Internet, des serveurs de Wisebot, et je vous l'affiche. Mais il y a de la programmation derrière, c'est de la programmation en langage Pascal, si tu veux avoir le détail technique. Un jour, je vous réexpliquerai, je referai une mise à jour. Là, je l'ai programmé pour pas faire saturer le serveur de Wisebot. Je dis au programme d'aller chercher l'information toutes les... Oh, c'était chaud, toutes les 10 minutes, histoire de pas trop toquer souvent à la porte du serveur, faut pas abuser non plus. C'est gadget, donc ça n'a pas besoin d'être rafraîchi toutes les secondes, c'est abusé. Toutes les 10 minutes, hop, il rapatrie l'info sur la barre de... Mais voilà, je peux faire mon fier, comme Artaban, comme dit l'expression. C'est moi qui l'ai programmé. Je suis appuyé sur les briques de construction, on va dire, de Wisebot. Et voili voilou. Mais peut-être qu'à terme, je vous proposerai en libre pour les programmeurs de le télécharger. Je vous partagerai mon code et vous pourrez faire le vôtre, mais modifier à votre guise. Mais comment dire? Dans l'immédiat, je peux pas parce que j'ai rentré brut ma clé privée de client Wisebot. Il faudrait que je fasse une programmation où on entre de manière dynamique la clé, que chacun puisse mettre sa clé à soi forcément. Parce que là, si je passe tel quel brut mon programme à quelqu'un, un autre diffuseur, il aura mes stats, pas les siennes. Ce qui serait ballot. Mais ça pourrait se faire à terme. Mais c'est pas ma priorité. Je vous cache pas que je suis content d'avoir mon exclusivité. Mais je pense que d'ici 3-4 ans, j'aurai déposé. Allez, on y croit. Non! Oh, ça me fait mal. Et puis les autres pourront en profiter, et puis je ferai en sorte quand même de bien noter que c'est moi que ça me fasse ma pub. Mais voilà quoi. Non, les prochains trucs de programmation qui m'intéressent, je vous le dis, c'est les interactions entre vous, le public, et mes jeux. Comme Minecraft, tout simplement. Il y a Wisebot qui a déverrouillé une option au début du printemps, je crois. Pour faire ça, je m'y suis à peine penché. Il faut que j'apprenne, il faut que je me forme de manière autodidacte là-dessus. Et vous serez amené à interagir sur mes jeux en direct avec vos points de chat. Vous pourrez me faire des coups vaches ou des cadeaux. Pour donner un exemple concret, dans Minecraft, vous me faites un cadeau, vous me donnez on va dire, un lot de 16 diamants. Ça, c'est un beau cadeau. Vous voulez me faire un coup vache, vous me générez devant moi une horde d'une dizaine de zombies. Là, c'est la violence. Mais ce sera sympa. Ça permettra de mettre un peu d'action pour vous, d'avoir un peu d'interaction. Wow, et c'est vachement bien fait, la physique du jeu des cordes. On va y passer une heure. C'est mortel. Tu dis quoi, Christella, attends que je te lise. Ce que je cherche à récupérer, c'est le nom des... Ah, le nom des spectateurs qui passent sur le direct pendant mon direct. Je ne sais pas où c'est. Ah, alors attends, si tu veux le récupérer comme... tu sais, comme un journal de bord, un rapport de ce qui s'est passé sur ton direct, je te propose un logiciel qui existe, que j'utilise moi actuellement, qui s'appelle Chatty. Chatty, Chatty, est un logiciel, tu vas donner ton... Enfin, tu vas inscrire ton compte de chaîne ou la chaîne de n'importe qui d'autre. Et en fait, il va rapatrier ce qui se passe uniquement sur le chat. Juste les événements chat, mais il va te les archiver dans un fichier. Et ça va être horodaté. Donc, tu vas avoir la date, la seconde, et qui a parlé de quoi par chaîne de caractère, le chat, quoi. Et ce sera archivé dans des fichiers texte. Et si c'est ça que tu veux, je t'invite à te ruer sur Chatty. Chatty. C'est mon logiciel de chat, je m'en sépare plus. Ça me permet d'archiver les événements.
enfin tout ce qui se passe, quoi. Tu sais, t'as un incident, tu regardes après coup, après ton direct, qu'est-ce qui s'est passé avec un tel, et t'as la preuve. Tu vois ce qu'il y a eu dans tes échanges. Ah oui, je te recommande vivement. Bah là aussi, c'est une autocritique que je me fais. Il faudrait que je vous fasse un truc plus développé dans mon Discord où je vous donne mes trucs astuces au niveau de comment je fais moi ma gestion des directs et quels outils vous pouvez utiliser pour vous faciliter la vie. Oh, je crois que je viens de voir passer pas un moucheron mais un bébé mythe. Oh, j'en ai marre des mythes cet été. Ah, première corde réussie. On y croit. Quel moment je lâche? Ah oui! Ah! Ah, on va continuer l'aventure. Ah mon Dieu, oui, sauvegarde 10 fois si tu veux. Oh, un quart d'heure d'essai. Et merci pour les GG. Oh non, là, je devenais fou. À part ça, vous, ça va? Je fais n'importe. Mais non! Mais pourquoi? Elle peut pas. Ah, s'agripper au mur d'en face, avec les quelques pierres qui passent devant? Ah oui. D'accord. Ok. Et là, elle tient avec juste l'auriculaire. Elle a de la force. Ah mon Dieu. Attends, j'ai très envie d'aller en contrebas parce que... Il y a des infiltrations par ici. Oula. Oulala. Attendez, faut que je vous lise dans le chat si ça bouge. Quoi? Alors, Funfun répond à Christella, Chris Golgoth, qui le fait avec une console Xbox et son retour de chat est hyper classe, mais je sais pas ce qu'il utilise. Ah oui, éventuellement demander à Chris Golgoth, ouais, s'il a des trucs astuces. Alors, sur Xbox, je pourrais pas guider, hein. Je n'ai pas de Xbox, moi je suis entre guillemets un pro PlayStation. Je suis à l'aise qu'avec la manette de PlayStation. Et Jaco. Oh. De dos ou de face la descente de la mort qui tue? Y a quoi au bout? Oh, y a de l'eau. Bon bah de face. Ouch. Ça lui a pas empêché de se baigner le mur avant de se baigner dans l'eau. Oh, ça me rappelle un peu le niveau de la cuve de la citerne dans Tomb Raider 1. Mais en beaucoup plus classe. Wow! Ah, bah non, je suis bête, je peux pas m'agripper à ça. Go go gadget au bras! Oh, c'est magnifique! C'est beau! Oh là là! Bon, c'est pas par ici qu'elle doit accoster, hein. Attends, y a rien au fond de la flotte? Y a pas des objets? Eh, on voit que Tomb Raider s'est amélioré, hein. C'est fini les fonds plats. Hein. Y a pas mal de trucs en diagonale. Non, elle peut rien faire avec ça. À mon avis, la sépulture est censée être au sec. Sauf erreur de ma part, ça devrait pas être immergé. Donc, j'ai sûrement joué avec un truc de cuve ou je sais pas quoi de... d'évacuation d'eau.
Oh non, non, non. Oh non, j'ai le droit des morts vivants. Mais c'était bien, c'était calme, posé l'endroit. Il n'y a pas besoin d'avoir des... Hein? Quelle idée de rajouter des morts vivants là qu'hier comme des... Comme des idiots, pour être poli. Reviens ici, vilain. La question est, où est-ce que je dois aller? Là, en face? Ah oui, il y a un levier en face. Ah oui, sans déconner. Mais attends, faut que je le prenne de là-bas, pas de là où je suis. Je fais des bêtises. Merde. Ah, pardon. Je pensais pas que j'allais faire un faux pas avec Lara. On y retourne. Attends, je vais couper ma tablette parce qu'elle me rend fou là. Je la vois de clignoter de je sais pas quoi. Et c'est en train de me distraire alors que... Ah, est-ce que je peux aller en face? Ah, parce qu'il y a un levier en face aussi. Ah, d'accord, d'accord. Ok. Et ça fait quoi? Ouais. Ok. Non, 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 par au-dessus, par au-dessus. C'est pas par saut que je l'atteins. C'est... Ah, si, à l'opposé. Ok. De prendre le temps de l'observation. Mais non, mais oui, mais c'est le levier que je viens d'actionner qui va me permettre d'atteindre l'autre. Ou c'est de là où j'étais, j'aurais pu atteindre le... Je crois qu'il y a une tolérance au niveau de prendre de côté ou de face le schmilblick. Enfin, le... Je fais mon vilain. Détruisons ce vestige. Oh! Il y a un cadeau dedans. Tu as reçu ton colis. Mince, le pire, c'est que tu m'en avais parlé, je sais plus. Alors, sans offense, Funfan, tu n'es pas le seul. Qui m'est parlé de colis ces derniers jours. Donc je sais plus quel colis et à qui et pourquoi. Ah si, c'est le jeu que t'as eu pour pas cher au complet à 15 euros là. Tu t'es acheté sur PS2, bah ou non, enfin si, enfin oui, tu le jeu sur PlayStation. Je vais faire simple, je sais plus. Ah non, pas le squelette au secours.
Half-Life PS2. Ah oui, mais non, mais non. Ah si, Christella, t'as raison. Si. Je sais plus. Je suis nul. Aïe aïe aïe. Oh non, il y a encore l'esprit du mort là. Oh non, calmos. Et là, j'ai fait le côté opposé, c'est ça? Tu l'as fait hier, on était en vocal ensemble, mais la version PC. Ah! Oui, c'est bien, c'est sauvegarder. Alors là, après, je sais plus. Merde, moi. Merde, tant pis. Eh ben, il faut pas que j'aille par là avec l'âme perdue qui aille vers son truc. C'est pas ça? Parce que la dernière fois que j'avais un esprit qui me suivait, il était là, il était heureux. Il avait fusionné avec l'objet. C'est un esprit perdu. Très original en passant. Un passion pas la Lorraine avec mes chabots. Avec mes chabots dans des nœuds. Un passion pas la Lorraine. Oh oh oh. Avec mes chabots. Attends, là je ne sais plus où aller. Je ne sais plus aller. Je ne sais plus, je suis pas le dos. Ah, c'est les piliers en face que j'ai activés. Mais quel est l'intérêt? Là, pour le coup, je le vois pas. Je vais y aller, en fait, sans savoir ce que je dois y faire. Half-Life PS2, ok. Ok. Eh ben, c'est cool. Alors, j'avance à l'instinct à l'aveugle. J'arrive pas à me convaincre que je dois y aller là. Et je sais même pas pourquoi d'ailleurs. Attends. Faut que je me mette là, que je me suspende au niveau des mains. J'ai compris le coup de la corniche. Papa pili pili po pili pili palapo. Oh là 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 là! Alors même ça, moi en vrai, je le fais pas. J'en suis pas capable. Je m'explose les bras et je lâche. Et je meule comme un caca en contre le bas parce que je sais même pas nager. L'horreur. Oui, c'est ma faute si tu l'as acheté. Oui, mais t'auras beaucoup de plaisir. Et même moi, je t'avouerai que j'aurais plaisir à devoir jouer. Voilà qui m'intrigue. Ah! Et le pire, c'est que j'ai failli foncer dans le vide. On voit le fond quand même, mais... Non, mais non, mais non. Oh là 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 là, ces gardiens d'outre-tombe. Oh, ne me dis pas hein, qu'ils savent faire de la corde. J'étais pas dans l'axe. Si tu as raison, ce que je demande de rien à Chris, comme ça tu fais ta version originale. C'est encore une galère de trouver un partenaire irréel pour la partie coop. Ah Ouais.
Alors la question est... Là, je vois bien qu'il y a un artefact qui me fait face, mais... Peut-être que j'aille par là-bas, non? Ouais, il est déjà répété, mais bon. Oh, les squelettes, ils vont... franchement, je sens qu'ils vont me les briser, les squelettes. J'en connais qui vont manquer kiné. Hop là. Oh, le joli saut. C'est à la limite si je serais pas allé au-delà du... Merci. J'ai cru qu'elle allait pas y parvenir. Non, rien de rien. Tout ça pour péter des poteries. Oups, j'ai un peu... Ah, oula. C'est indécent. Non, 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 non. C'est indécent, vous ne devriez pas. C'est honteux. Ah ben voilà. Ce qui devait arriver, arriva. Ah, mon Dieu. Aïe, je suis fou. Et ça marche pas. Je suis fou, ça marche pas. Noir, c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Ouais, donc. Aller en face comme ça tout bêtement. Non. Non, 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 non. Là où j'ai atterri tout à l'heure avec les fichus squelettes. Après, je pense qu'elle peut... Ouais, elle peut passer en face. Là où il y a l'artefact et puis... Attendez. Ça va être encore une galère de trouver un partenaire irréel pour la partie cop. Au moins, à la différence de Révélation 2, ça ne dure qu'une heure, donc ça peut... Donc peut-être ça fera les 3 heures avec un peu de chance, je pourrais le faire en un seul direct. Ouais. C'est même pas un DVD, c'est encore un CD comme il y avait sur la première PlayStation. La partie qui est derrière elle est bleue. Ah. Ok. Oui, bah Flash, c'est un moteur léger hein, quand on y pense. Tu peux faire des magnifiques niveaux en à peine 650 mégas. Tu peux faire... Tu peux faire pas mal de contenu. Hein. Tiens, chip ça au pacha. Oui, vas-y là, chip-le. Non, bande de vilain. Non. Est-ce que je peux faire tomber les squelettes? Ce serait tentant de les pousser et de les fracasser en contrebas. Excusez-moi, j'arrête pas de bailler là depuis quelques minutes. Je sais pas ce qui m'arrive. Je suis en train de me détendre à mort. Je suis en état de zénitude, relaxation, ça fait du bien. Mais excusez-moi, pourtant j'ai très bien dormi cette nuit. Mince, je me trompe de touche. Ah, j'étais parti pour la tuer, la malheureuse. Je pompe. Alors, une fois que j'ai fait ça, tac, 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 chip ça. C'est moi ou il s'est loupé, cet idiot? Ah, pas mal. Attends, sauvegarde parce que ma situation n'est pas pour me déplaire. Non, le truc est déjà pété. Ah, les vilains! C'est scandaleux ce qu'ils font à Lara Croft. Ah, il a escaladé par ici, disons.
Tiens, tiens. Oh, ça a l'air de grimper. Étrange. Oh, faut que je lui attribue une trousse de soins complète là, parce qu'elle est. Elle est dans le rouge. Elle est dans le rouge, la malheureuse. Touk. Touk, touk. Comme pourrait. Elle aurait pu le dire. Ouais, trident. Vers les pouvoirs du trident. Oh non. Oh. Y aurait-il trois tridents? Ah, il y a des poteries à côté, c'est pas possible. Non. Des poteries pètent pas? Des poteries pètent pas. Alors, j'ai pas loupé le coche de quelque chose, moi. Non. Vous êtes sérieux? En plus, je vais un peu vite parce que j'ai même pas pris le temps d'observer le restant de la salle. Alors attendez, on se calme. Et on fait un joli saut périlleux arrière. Merci Lara. Alors, destruction poterie, bonjour. Aïe. Non, attendez, hop. Oui, je pense que j'ai dû réduire en bouillie pas mal de... Voilà, comme ça. Allez! Voilà, il n'y a plus de poterie dans la salle. On est content, c'est un massacre. Youhou! Tant de vestiges pulvérisés. Ah bah tiens, évidemment, c'est drôle, c'est à l'opposé que j'ai la récompense. Allez! Aïe! Ah, c'est des carreaux d'arbalète, ça! Oui! Et c'est tout? Ah non! Ça monte encore! Vertigineux! Ou pas? Attendez, si je descends la bobo ou... Non, ça va. Elle est vraiment costaud, là. Elle est extraordinaire. Alors, attends. Non, il n'y avait rien d'autre dans la salle, hein, visiblement. Bon, à part des inscriptions au mur, mais elles sont pas lisibles pour nous. Mais les décors sont magnifiques. Allez, muscle-toi les bras, vas-y, ça fait des biceps. Vas-y Lara, t'es la meilleure. Ouais. Ah mon dieu. On est d'accord, t'as le plein faux. Oui, on est d'accord. Alors attends, descends un petit peu. Retourne-toi. Descends encore un peu, tu vas te cogner, ma grande. Vas-y, saut périlleux arrière, tu peux le faire. Tu peux le faire, tu peux le faire, tu peux le faire, tu peux le faire. Ou pas. Et merde, c'est pas faute d'avoir pris des précautions. Descends. Attends, faut que je prenne mes repères. Quand elle est là, je lui dis fais un saut périlleux arrière. Qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, elle monte pas mal. Non, 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 non. Il pose problème le. Donc en fait, j'aurais dû faire ça de plus bas. Dans ce rythme de fou. Attends, un petit peu plus bas. Et là, c'est bon. Là, on y croit.
C'était chaud. C'était chaud. Allez, la suite. Flingue ou pas flingue? La malheureuse. Ah. Et là, j'ai les deux griffes et un gros souci devant moi. Remarquez, j'ai pas pris le temps d'observer où est-ce qu'il fallait déposer les deux griffes. Non, je cours. Je suis poursuivi par un agresseur. Oh non! Oh bah non! Elle a laissé tomber. Nous avons les deux tridents. Je sais même plus. C'était quoi cette pièce? Ah, c'était celle à laquelle je faisais face. Oui, mais là j'ai aucun gain. Il faut que je fasse usage des deux tridents dans cette sépulture là, ce monument magnifique. Oui, mais comment? Oh. J'aimerais qu'elle s'accroche à la perche. Oui, merci. T'es une chef. Allez, on descend. Je me sentirai plus à l'aise en contrebas. Enfin, sauf si j'ai un comité d'accueil de la mort qui tue, mais bon. Dis-moi que tu peux sauter en face, vite. Non. Oui. Wow. Quelle héroïne. Oh, c'est pas vrai. Ils sont 650 milliards à hanter cette ces belles pierres. Ah, merde alors. J'en fais quoi moi des deux tridents? Les deux tridents. C'est magnifique! Qu'est-ce que c'est beau! Waouh! Waouh! On dirait un système de canalisation. Un petit coup de chaud, c'est du tout cuit. Hein, j'étais là? Oh merde. Oh là là, je suis allé tellement loin. Merde. Franchement, ce Tomb Raider 4, je comprends que ce soit le favori de certains. Il est remarquable. De sa difficulté et de la grandeur de ses niveaux, il est remarquable. C'est vraiment le grand Turismo, j'allais dire. Le Tomb Raider qui se mérite. Il faut pas avoir froid aux yeux, avoir l'audace de se lancer, parce que les concepteurs du niveau, d'un point de vue graphique, d'un point de vue vraiment... carte établie là, ce qu'on appelle en anglais level design, le dessin des niveaux et je trouve absolument parfait. C'est moi, je suis bluffé, je suis à fond dedans. Alors je file là-bas. Alors là, le coup des canalisations là avec la super statue dans le mur, je signe tout de suite, je veux revoir ça immédiatement. Magnifique.
Merde. Ah. Le pire, je sais que je vais me faire mal. Mais... Alors, le niveau s'appelle... Le temple de Poséidon. Oh bah c'est là que je vais faire usage des tridents. Forcément, c'était l'instrument de Poséidon. J'ai plus de questions à me poser. C'est là qu'ils se mettent les tridents? Non, je pense pas. Pas déconner non plus. Ok, le temple de Poséidon. Oh là 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 là. Eh oui, on voit qu'on est dans un système de canalisation. Ha ha ha. Superbe. Tout simplement superbe. Attends, le plafond, c'est quoi dans les canalisations? Ah bah c'est ça. Eh ouais, on voit la gestion de la flotte. Oula, oula, c'est limite si je vais pas allumer une torche. Non, mais non, mais non, mais non, mais non. Ouch. Attends. Ah. Je me disais, je comprenais plus. Une torche, s'il te plaît, là. Ah, il y en a des choses à faire. Il va falloir se glisser dans un trou de souris. Non, là, il n'y a rien, là. C'est ridicule. C'est une grille pour l'écoulement des eaux. J'ai rien à faire ici. Par contre, le fait de garder une torche phosphorescente, hein, c'est pas comme si j'en avais 150. Ah bah. Ah, c'est un secret. Mal gardé, mais c'est un secret. Ah ouais, cool. Mince. Malheureusement, elle peut même plus bouger. Bref. Non, ce serait ridicule de... d'exploser le mur. Attends, je suis en train d'avoir un doute. Elle peut remonter. Oui, elle peut. Ils sont chiants. Ils sont 15 bonbons. Bonjour Nachevman, j'espère que tu vas bien. Oups. Attends, je vais pouvoir passer en dessous. Ah, c'est de l'autre côté de la grille, ok. C'est dans la continuité de l'écoulement des eaux. Ouais, rentrée du taf. Ah bah c'est bien. Repousse-toi. Ouais. Oula, ça m'a l'air piégé là. Oula, ça m'a l'air piégé. Ok, il y a les poteries. Ah, qui rapporte du matos. Oh vache! Oh là, vache aussi. Oh. Ils ont pété la... Bonjour, Poséidon. Use.
Ah, il faut qu'elle escalade la statue et qu'elle mette sur le... D'accord, sur le manche. Hop. D'accord, ça se tient, c'est logique. Alors, où est l'autre statue? Oh, nounours, c'est gentil de passer, merci. Oh la vache. Entre deux bricolages, bon courage pour le bricolage, nounours. Merci, c'est très gentil. Oh, c'est beau. C'est superbe. Oui, mais du coup, j'ai pas d'intérêt à aller là, moi. Attends, il faut que j'aille à l'autre bout au niveau des canalisations de Poséidon pour établir le reste. Enfin, je présume. Je présume. Oula, oula, oula. Ah, du coup, il y a de l'eau là et je peux sauter dans le... Alors attends, il faut que j'aille en face. Je l'ai fait à l'arrache, c'était très osé. Wouhou! La direction opposée, mais bon, on est plus assez près. Attends, il s'en va un peu. Parce que là, t'es trop haut pour un saut arrière, ma grande. C'est parti, on y croit. Nickel, t'es une chef. Ah bah voilà. Le truc me fait face. Le truc, vraiment l'agencement des niveaux cohérent. Alors, avant de déclencher les morts, là, je sais pas quoi, je vais peut-être vérifier si je peux pas avoir un peu de matos. Ah si, il y a un peu de matos. De l'intérêt de tout vandaliser. Ouais, avec Lara Croft. Ouais. Eh ouais, Tomb Raider. Pilleur de tombe. Enfin, pilleuse la concernant. Oh, l'autre salopio qui m'a poussé. Oui, forcément, l'autre se réveille, sinon c'est pas drôle. Hop là. Non, merde, je suis bête. Oh, ah bah non, il n'y a pas assez d'eau. Pourquoi j'ai lâché? J'aurais dû me laisser glisser en descendant et voilà quoi. Ah, bien fait pour ma tronche. Alors... On y retourne. Mais non! Merci. Trois ans plus tard. Salopard. Hop là. Donc. Ah bah je vais pouvoir sauter dans l'eau. C'est superbe. J'admire.
On va peut-être retourner au bricolage, tant pis si tu réponds pas, c'est pas grave, c'est ma faute et puis c'est moi qui te fais longuement, enfin tardivement la conversation. Mais j'espère que toi et toute ta petite famille, tes puces ainsi que ta douce Madame Marianne, vous allez bien et que vous souffrez pas trop de la chaleur dans votre secteur. Il faudra que je repasse avec un peu de chance cette semaine. Que je repasse te voir, ne serait-ce qu'une soirée sur ta chaîne Nounours, ce sera avec grand plaisir. Mais je te cache pas que j'essaye de faire chaque soir une personne différente. J'ai plaisir à. Oui, je doute pas que tu sois là, Funfan. Mais là, je m'adressais directement à Nounours en fait, parce qu'il dit qu'il fait du bricolage. Donc il a les mains occupées, mais. Il a les mains dans le cambouis, comme on dit. Voilà, passez un petit coucou à toute la petite famille de Nounours et j'espère que voilà, les conditions météo soient pas trop difficiles dans votre secteur et que je repasserai prochainement sur l'antenne avec grand plaisir. Oh, c'est beau! C'est quoi cette tromperie? J'ai deux cascades alimentées, moi je fais une piquée saut de l'ange dans le trou. Je m'attendais à y trouver de l'eau, moi, pas un truc à sec. Faut que j'alimente aussi sur les côtés. Mais comment? Je n'ai que deux tridents. Mais non, il n'y a rien à faire là. Bah, il peut y avoir de l'eau par. Non? J'ai pas compris là. T'as fini de biner ton jardin et je vais faire un peu de gravure sur bois, classe. Tout le monde va bien, merci beaucoup. Et tu passes quand tu peux, quand tu veux. On ne peut pas malheureusement se diviser, ouais, tu m'étonnes. Mais ouais, cool, merci, c'est bien que vous alliez bien, c'est essentiel. C'est cool, c'est cool. Bon bah bonne gravure sur bois. La classe, je me suis jamais amusé à ça. Alors, torche. Lancer des torches. Pas rassurant. Oh! Du tout. Surtout que c'était pas ça que je voulais faire. Là, je profite d'une petite pause café pour mettre. Oui, passer un petit coucou chez les copains, t'as bien raison. Bon café chez toi. Pour le fil bien que ça se tasse. Toi aussi, t'as du grain à moudre. Je vais tout te le faire. Ah oui, le cri de sauvage, comme tu dis, Nashelman. Alors, attends. Mais comme le faisait remarquer Christella tout à l'heure, la pauvre Lara Croft, je la fais honteusement crier. Les quantités de flotte qui tombent, et ils osent me dire qu'au final, en bas, y a pas une goutte d'eau? Mais c'est quoi ce dispositif du démon là? C'est. Mais non. Merde, elle a jeté en face. C'est pas ce que je voulais faire. Relance la torche. Voilà. En contrebas, merci. Bah du coup j'étais pas au bord donc j'ai rien vu. Et merde. Bon, tout ce qu'on sait, c'est que c'est profond. Est-ce qu'elle peut allumer une torche, tenir la torche et s'agripper? Oui. Il est trop bizarre ce niveau. C'est vraiment bizarre. Attends, si je la jette, pouf, elle tombe. Hop, du coup, je vois. Bah, je vois surtout que c'est la mort en contrebas. Donc, j'ai rien à y faire en bas. Bah, merde alors.
Alors attendez. Non, j'ai rien à faire ici. C'est les lieux qui sont comme ça, mais bon. Je vois pas. Ah! Ah oui, oui, bah oui, mais oui, mais c'était même là où j'étais arrivé au tout début, et puis je m'étais cramé là avec le truc. Ah, il faut peut-être qu'elle soit mouillée pour pas être sous l'effet des flammes. Vas-y, voir que j'essaye de la. Oula, j'ai cru que je l'avais encastré dans le. Voilà. Là, elle est bien mouillée. Voilà, là elle est bien mouillée. J'ai profité du fait qu'elle soit trempée pour pas cramer. Vas-y voir. Bon là elle saute tellement qu'elle finit par sécher. Et hop là, ça marche pas. Ah c'est gentil, merci. Non, mais non, je te comprends. Non, non, c'est en plus, t'as une vie de famille derrière toi. Y a pas de soucis. Merci tout plein. Bon, bonne gravure sur bois à toi. J'ai failli dire bonne gravure sur toi. Bonne gravure sur bois. A plus. Oui, merci. Oui, prends soin de toi et toute ta petite famille aussi, mon cher Nounours. C'est gentil tout plein. D'ailleurs, tu. Oui, glou glou. Parce qu'il fait chaud déjà. Mais non. Pourquoi j'ai fait le saut? Il ne fallait pas faire le saut. Dali 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 dalo. Ah. Oui. Oh non! Il va y avoir encore du mort-vivant. What? Merde, il y a une troisième statue de Poséidon donc. Ah! Petit bug! Yeah, le petit bug! Du vase brisé, de la trousse insaisissable. Magie du démon. Oui, sauf que là, j'ai rien. Sauf que là, j'ai pas de troisième trident. Elle peut rien faire, la malheureuse. Merdoum, ça veut dire qu'il y a un troisième trident. Aïe. Il y a un troisième trident. Hop là. Merdoum, c'est la malédictum du troisième trident. C'est logique, trident 3. Il n'y a pas que 3 dents. Il y a 3 tridents. C'est du 3 x 3. Et je peux aller me faire cuire un œuf.
Cette vanne vous est offerte par Poséidon. Eh merde, moi. C'est magnifique. Bah, c'est bête à dire, mais Aero, d'ailleurs je pense qu'il est encore en direct, on va en parler, mais Aero, j'ai eu plaisir de le saluer tout à l'heure en début d'après-midi, sortait de table et puis je voyais qu'il prenait son antenne. Donc pour ma part, j'ai eu le plaisir de saluer Aero tout à l'heure, qui va fort bien, c'est tant mieux. Où est-ce que j'aurais loupé un trident, moi? Parce que là, j'ai activé une statue de Poséidon, mais c'est pas là que j'avais trouvé les tridents. Mince. Non, ça tient pas, mon truc. Non, c'est pas cohérent. C'est pas là. C'est pas là, c'est pas logique. Ah, c'est bien que tu fasses les tests, ouais, avec le Half-Life en version PlayStation 2. Merde, là où j'ai ramassé les deux tridents, c'était où? Oups. C'est là où il y a le truc dans le... Non, c'est pas là qu'il y a le truc dans le mur. Comment avais-je fait? J'essaie d'ouvrir l'œil aussi au niveau des textures, histoire de pas louper un truc qui est chez le super fan. Oh, c'était pas mal. Donc là, il y a le énième truc avec les flammes qui ne s'éteignent plus d'ailleurs. C'est Poséidon on fire, le truc complètement contradictoire. Qu'est-ce qu'il y a? Surprenant pour un jeu PlayStation 2, il y a des options pour mettre le jeu en 4 tiers ou 16 neuvième. Tu sais à qui ça fera plaisir, tu m'étonnes. Mais c'est vrai que de la part d'un jeu PS2, c'est la classe. Non. D'accord, cette jarre-là n'en fera rien. Bon, il n'y a pas d'interaction. Merde, je me souviens même plus d'où viennent les tridents. Mais non, mais là c'est la perche. Attendez. C'est la perche. Donc je peux faire demi-tour, c'est pas par là. C'est pas par là. Bonjour Edge Club, comment ça va? Ah. Mais là je peux pas.
Ouhouhou. Elle se mange le... C'est superbe. Oh bah merde alors. Ouais, ça va très bien. Bon, ça va bien, merci. Je reconnais qu'étrangement, j'ai un petit coup de fatigue depuis sortie de table tout à l'heure. Faut dire aussi, j'ai adoré ma salade. Je me suis fait les tomates du verger de mon copain qui pètent en goût. Avec de la semoule et un peu de sauce soja, c'est une tuerie gustative. Donc je suis repu de mon repas, comme on dit. Peut-être d'ailleurs mon organisme là, me force à être relax posé pour bien digérer. Oh, à part tu vois, le petit coup de fatigue qui fait que je bâille, je vais fort bien, merci. Je suis relax, c'est l'essentiel. Alors, FunFan qui s'adresse à moi, surtout que le jeu est sorti en 2001 et que c'était la norme 4 tiers et avec un CD PlayStation qui plus est, ouais. Non. Je me suis planté avec Lara. Alors là, j'avoue que je suis un poil coincé. Là, il n'y a rien. À un moment, elle était arrivée avec un... Mais non, mais elle s'était suspendue. Ah merde, mais non, mais je peux plus retourner. J'ai besoin de savoir, je vais m'adresser. C'est vous qui allez faire le choix. Honnêtement, je suis 50-50. Soit je continue le Tomb Raider encore une heure, ou je bascule tout de suite sur... comment on appelle ça... Minecraft. Attendez. Mince, mais qu'est-ce qu'il me fait? Voilà, que je me déclenche un... Ah, t'essayes de jouer un peu de piano, Edge, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Alors. Dans 5 minutes. Toujours là. Minecraft. Allez, Zou, je vous laisse 5 minutes pour voter. Pan. À vous de choisir. Honnêtement, je suis 50-50. Soit je continue de tourner en rond, là, essayer de comprendre. Trouver moyen de m'encastrer, c'est une horreur. D'accord, elle peut pas monter là-haut. Non, elle peut pas. Là non plus, elle peut pas. Pardon, j'ai fait une ânerie, c'est-à-dire que je ne vois même plus mon... Attendez. Il faut absolument que je vois mon chat, c'est le strict minimum. Si je vois pas ça, je suis complètement perdu. Voilà. Voilà, là j'ai mes paramètres, je suis bien. Ah merde alors. Je sais même plus d'où je viens pour les tridents.
Oh merde, une. Il me manque une voie d'eau. Seulement j'avais le trident, je pourrais l'actionner là, mais. Non, c'est pas là. Ah, je viens de voir que ce mur est escaladable. Ok. Je vous laisse choisir dans le vote, dans le chat. Est-ce que je continue Tomb Raider avec Lara Croft dans l'heure qui suit ou est-ce que je bascule tout de suite sur Minecraft? Telle est la question. Ah mais merde! C'est une quatrième... C'est une quatrième statue sans trident. Aïe, c'est sûr, hein, ça me laissera pas en paix. Ça ne me laissera pas en paix. Oh bah merde alors. Ouais, elle est quasiment morte la pauvre Lara. Non, il n'y a plus rien. Alors attendez, je vais prendre une trousse de vie pour... Voilà. En dehors de la... du truc louche avec la flamme. J'aurais un truc à escalader. Non, pas ici. Bah merde alors, il me manque deux tridents finalement. Il y a les quatre trucs activés, pas les deux. Et je sais même plus d'où je viens pour les... avec les tridents en main. Message de FunFan 1992, résultat du sondage, toujours Lara, remporté avec 4 voix et Minecraft perd avec 2 voix. Ah, merci pour le détail. Ok. À 4 contre 2, on continue Lara Croft. Ok, ok. Je persévère à essayer de trouver la résolution de l'énigme. Merci à vous de vous être exprimé. C'est pas possible. Non, non, c'est pas ça que je vais faire là. Je vais bien retrouver où j'étais précédemment. Le coup des tridents. Superbe. Je boude pas mon plaisir à admirer les décors. Les textures sont magnifiques. Il y a un truc en haut là-bas, d'accord. Il y a quelque chose qui m'échappe dans la structure du niveau. Je vais finir bien par trouver le comment du pourquoi. Oh! Bonne acquisition, ouais. Il paraît que c'est une saga d'anthologie, surtout les deux premiers.
The Witcher, ouais, si tu veux dire, bien joué de ta part, Christella. Oh, si tu fais ça sur ton antenne, ça peut être intéressant. J'ai déjà vu quelques extraits, mais pour peu que ce soit toi qui diffuse, je pourrais observer avec davantage d'attention. J'étais passé sous la statue. J'avais oublié que je pouvais passer sous la statue. Eh oui, c'est... Non. Mais non, c'est pas ici que je récolte les tridents. Merde. Mince, trop tard. Trop tard, c'est du tout cuit. Je ne peux que approuver quand tu vas dans le marché du bien. Par contre, attention au gameplay du premier, c'est hyper raide. Ah ouais? Ok, nous dit Nashevman. La belle réponse de Christella. J'aime la lumière, mais le côté obscur est parfois tentant. Ah là là. Oui, génial. Et j'ai vraiment pas moyen de les trucider, ceux-là. Je vais tester. Ah! Ah, ça ne dure qu'un temps. Il me lâche les basques, mais qu'un moment. Qu'un court instant, c'est dommage. Merde. D'accord, je peux pas aller plus haut. Attendez, je vais... Non, c'est le plafond, là. Oui, mais ça sert à rien, mon histoire. On dirait les échanges sensuels au tennis. Je peux grimper là. Je peux grimper là. Comment ça, Nashevman? Ah, t'as peut-être voulu alpaguer quelqu'un d'autre que moi. Oui, t'as peut-être fait avoir par le bug. Mais bref, Nashevman qui dit ah, mais c'est fou. Déjà que ça se joue entièrement à la souris, c'est un coup à prendre, mais ça fait bizarre au début. À partir du second, tu peux jouer à la manette et là, ça va déjà beaucoup mieux. Le troisième est un peu amélioré, a un peu amélioré le gameplay du 2 par la suite. Oui, c'est Nashevman qui s'adressa à Christella pour répondre à sa question un peu raide. Je peux sauter en face? Oui. Attendez, je vais sauvegarder. Ah, c'est bien à moi que tu répondais? Ok. Merci, c'est gentil. J'essaie de mettre en même temps en lumière vos propos. Le premier Witcher est sorti en 2007. Je pense qu'il est aussi raide que le premier Assassin's Creed ou Uncharted. Ouais, les développeurs qui faisaient leurs griffes. Ouais, le temps calibré aux opus suivants. Et puis l'importance de faire en comité de joueurs un retour vers les équipes de développement. C'est vraiment primordial pour faire un bon jeu. Eh ben. Attendez.
Ah, je vais y arriver. Hop là. Merdoum. Ah, oui, on y croit. Oh. Changement de niveau. Ah non, pas eux. Oui, je suis sorti de mon pétrin en quelque sorte, mais... Attends, c'était où que je pouvais avoir les... Les... Comment on appelle ça? Les... Hé, on peut même plus s'accrocher. Mais hé, hey, oh, ils sont chiants. Ah tiens, en face, je me souvenais pas qu'on pouvait y aller. Je verrai le premier que joue à la souris. Christella qui pose la question à Nashemman. Le premier opus doit-il se jouer à la souris? Oh! 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 J'ai même pas vu que je venais de sauter à précipice. C'est grand! Oh, il y a un bug de texture au sol. Ils ont fusionné deux textures. Faut arrêter. C'est la folie là. Attendez. Ah, c'est une petite fosse. C'est pas la mort. Je comprends pas. Clavier peut-être, mais souris sûr. Oh là là, c'est superbe. Oh. Ces morts vivants à la noix sont chiants. Oh non, pitié. Ah, quelque chose. Mais... Non, il n'y a rien, je peux pas. Attends, voir. Non, là, il n'y a rien. Ça, ça s'escalade pas. Non, ça s'escalade pas. Mais il va me lâcher le... furieux d'entre les morts là. Allons bon. Un deuxième squeletton. Ah, il y avait un truc avec Oh merde. Mince, y'a rien. Oh, je m'y perds. Je m'y perds. Et là, 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 il y a la folie des textures. Le feu va en direction d'une autre usine de pétrochimie. Oh les boules. Parle pas de malheur. Ouais, y'a là. Je vais en face, visiblement. Donc là, est-ce qu'ils vont me laisser grimper les vilains? Bah, elle est figée. Bugué, je vais vous dire.
Alors, une époque où l'ordinateur était exclusif que aux souris, clavier, ouais. Oui, c'est pas bon du tout, on m'en parle pas. Oui, si l'incendie va dévaster des complexes pétrochimiques ou je sais pas quoi. Oh que non, on a eu du vent toute la journée et là, ça sent mauvais. Ah merde! T'as... Oui, d'accord, dans ta zone Nachevman, ça schlingue. Bah reste à l'abri fermé chez toi. Il faut espérer que les vapeurs soient pas ou fumée soient pas toxiques, hein, Nachevman. Fais pas le fou. C'est bunkerise-toi quasiment chez toi. C'est malheureux, mais. Alors. Merdoum. Donc c'est le coup du plan d'eau. Et c'était dans ces épreuves ici, je crois que j'avais accès au trident, je crois. Il faut que je collectionne deux autres tridents en fait. Donc faut que je parte à l'opposé. Faut que je parte par là-bas. Oui, je vois que vous m'avez interpellé. Oui, attends, attends, excuse-moi, je vais te lire Nash. Je finis là. Je reste concentré sur la partie là avec Lara Croft parce que je voudrais pas me louper. Et je te lis juste après. Et voilà, je me suis merdé. Tu vois, je pensais pas que j'ai besoin de me raccrocher et puis finalement. Bref, c'est pas grave. Oui, ce week-end, la foudre est tombée et ça a foutu le feu à quelques kilomètres de chez moi. Oh vache. Ça n'avait pas brûlé depuis 2003 là-bas, mais c'est tellement sec. Eh ouais. 2 mois presque sans pluie. Non, c'est craignos, hein. C'est craignos. Là 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 là. Là, en ce moment, j'ai passé le lien à Christella en privé parce que ça lui parle. Elle avait témoigné de son enfance à la test de Bush. Mais il y a d'excellents articles sur le réchauffement et les incidents là, de cet été sur france-tv-info.fr. Je vous le recommande, hein, j'aime beaucoup ce site d'information qui plus est public. france-tv-info.fr, je vous le recommande chaudement. Et là, vous avez des articles. Oui, ça devient catastrophique, FunFan. Vous avez des articles pertinents, bien illustrés. Ah, voilà. Et oui, il faut que j'aille me suspendre à la corniche. Oh, j'ai failli me louper. Voilà. Ah oui, elle va faire langue de fou furieux là, elle fait ça de manière trop forte. Là, j'admire, ça j'admire. Ça a l'air tout simple, mais j'admire. Oui. Fouille, 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 fouille. Donc, il y aurait ailleurs d'autres. Il faut que je récolte deux autres trucs-muches de poésie, donc. Les trucs-muches de Poséidon. Il s'agit des tridents de ce garçon. Tudu. Je suis pas du tout dans l'axe. Oui, non, c'est une catastrophe que je suis en train de faire. Donc, il y a un endroit où je suis pas allé.
Je remarque qu'il n'y a plus qu'un seul mec squelette, il y en avait deux tout à l'heure. Donc il y en a un qui s'est vraiment bien viandé en contrebas et qui s'est fracassé les os. Ce qui m'arrange grandement. Si je pouvais provoquer la destinée de l'autre de la même manière, que ça m'arrangerait bien. Allez Lara, tu peux le faire. Oh, c'est limite, c'est la part bondée au-dessus. Alors, l'autre, il va me rejoindre. Je vais l'accueillir à coup de fusil à pépon. Je vais sauvegarder. J'en connais un qui va payer pour tous les autres. C'est ça, viens mon vilain, viens. Est-ce que je peux même tirer dessus quand il va faire son saut? Bam! Oui! Oui! Il est tombé dans les limbes! Ah oui, c'est magnifique. Attendez, je ne sais plus, c'est l'émotion. Je reprends le flingue normal. Oh le bonheur! Il est allé se fracasser en contrebas. Ah oui, c'est ça, il est tombé dans les ténèbres. Ah, je me sens mieux. Alors, qu'avons-nous là? Kepuik. Nous avons Kepuik. Oh, c'est profond. Ouhouhou. Ah, je peux passer par là, d'accord. J'aurais pas dit non à une. Oh! À une torche. Torche, Lara, s'il te plaît. Allume. Merci. Alors, qu'avons-nous là? Oui. C'est merveilleux, c'est Noël avant l'heure. Bon, espérons qu'elle puisse pas tomber plus bas. Ha! Les squelettes qui pourchassaient Lara qui ont été réduits en poussière. Oh! Oh oh! Merde, elle va... Ah bah je la ramasse au moment où elle s'éteint. Allez, vas-y, jette-la. Non, même pas, c'est pas grave. Bah, on y voit encore un peu, mais... Ouais, je dis ça, c'est vite dit. C'est vite dit. Merde, y a rien dans celle-là. Hé, c'est un vrai petit dédale! On s'y perd. Oulala, je sais plus, je viens d'où, j'ai fait quoi? Je suis pelle d'où, au school. Non, je viens de là. Je viens de là, je viens de là. Faut que je mémorise mon parcours. Là, il y a là. À l'opposé, en face, il y a quoi? Ah, au secours, je ne vois plus rien. C'est reparti pour une énième torche. Heureusement que j'en ai plus d'une centaine. Bon, je récupère du matos et c'est tout, visiblement, le fait d'aller en bas. Parce que sinon, en dehors de ça, je comprends pas. On est d'accord, au centre de la fosse, non, y a rien. Y a rien, y a rien. Non, bah je peux remonter. C'était des objets en cadeau. C'est bien. Ah, merci pour le GG. Pip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 
Et normalement, c'est l'autre partie là, normalement, au sommet, je dois pouvoir, je présume, mettre la main sur deux autres tridents de Poséidon. Au moins, je sais déjà où les disposer, mais où se trouvent ces tridents? Voilà, après quand même une telle escalade, je re-sauvegarde. Je voudrais pas me les recoltiner. Il fait le mur, lui, il est. Il est un peu nunuche à la mort-moelle-neuve, là. Ben là, j'avais pris un trident, visiblement. Merde, je comprends pas. Je ne comprends pas. Tu fais ton poète, Fun Fan. Bien. Merde. Ah, j'ai sauté trop. Merdoum. Ah, je m'interroge, où sont les autres tridents? Il me manque deux tridents, pourquoi je les ai pas vus? Une fois par an. Comme moi, lorsque je dis que j'ai un coup de génie, une fois par siècle, et j'ai déjà joué mon coup. Voilà, là aussi je peux sauvegarder parce que on avait fait de se louper. Alors changement de niveau je crois, vu le corridor. Non, même pas. Extraordinaire. Merci, ouais, merci pour l'équipe. Mais donc je rappelle que je rediffuserai après ce soir, là c'est ma dernière journée Twitch. Je rediffuserai qu'à partir de samedi. Sauf une exception possible. Sauf si Olive Kitu me contacte hors ligne pour me dire je suis prêt pour une demi-journée de Stardew Valley. Là j'aménagerai mon agenda pour faire une diffusion à la sauvage, mais hors calendrier. Mais en dehors de ça, je devrais reprendre que samedi matin ma diffusion Twitch. Pour vous dire que la semaine, si je vais consacrer une partie de mon temps libre à bosser dans la coulisse, ça veut dire que je vais démarrer par préparer des émoticônes supplémentaires. Parce que j'ai la chance d'en avoir 4 de déverrouillés de dispo, deux animés, deux fixes, et ma boutique remet en place le coup des patounes, des chapeaux et tout le bazar, et éventuellement quelques commandes supplémentaires, que j'y crois pas trop, c'est pas comme si on en avait 200 actuellement. Mince, je suis sorti de l'édifice. J'ai pas d'intérêt à sortir de l'édifice maintenant. La compile des clips, avec un peu de chance, j'en aurai une nouvelle d'un peu plus d'1 heure pour le 15 août. Pour le lundi 15 août, ce serait pas mal que je fasse un direct non-stop du matin au soir. Que ça ne me déplairait pas. Le dos droit. Oui, je suis peut-être mal installé. Je me rends même pas compte. Merci, Adjay. Rejoins-nous, rejoins les promos tous les jours de Steam. Bien joué, Nashelman. Attendez, je réfléchis. Tac, 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 ça c'est la boucle parfaite. Attendez, attendez, attendez. Et ça, non mais non, ça c'est la sortie. Donc je suis obligé d'aller en contrebas, moi.
suis obligé d'aller en contrebas. Non, bah, au final, je vais... Oh. Ce comité d'accueil. Merdoum. Il est vrai qu'il fallait que je saute sur le côté. Ah, ils sont chiants, eux. N'importe quoi. Non, donc au final, je suis revenu là quasiment pour rien, puisqu'il faut que je retourne... faut que je retourne en face, en fait. Enfin, en face. Par rapport à l'édifice, là, il faut que je... Alors, lui, je sens... Encore que... Non, il va pas manquer qu'il ait longtemps, je me dis ça, finalement. Il vaut même pas un coup de chevrotine, le loustique. Oh, ce saut. Ce saut m'impressionnera toujours. Allez, zou, je fonce en face. Ah, le temps de Poséidon, énorme. Magnifique. Mais non, je retourne au... Voilà, je retourne dans le truc et... Mais non, ça me va pas, mon histoire. Normalement, il faut que je finisse tout en bas, mais avec de l'eau. J'ai rien compris, là, pour le coup. J'étais bien revenu à une zone où il y avait des... Je fais machine arrière. Hein. J'ai l'air ridicule, mais... Je fais machine arrière. C'est génial que cet autre niveau soit encastré. Merde, elle est morte. Ah, c'est vrai que c'est des trucs de fou. Le vrai costume, vraiment côté obscur, se trouve du côté d'Instant Gaming. Mais oui, c'est là qu'il y a les tridents. C'est là qu'il y a les tridents, merde où, moi. Oh. Non. Oula, j'ai du bol. Je me disais, il fallait pas que je saute au moment de le faire. C'est rigolo. Mais non, mais... Oh, elle me tue comme elle se tue. Nah. Ouais, il y a Epic aussi, ouais. Ah, c'est un marché juteux, hein, le marché du jeu vidéo. Toutes les grandes entreprises qui tentent leur chance pour essayer de récolter des miettes de la poule aux œufs d'or. À part ici, c'était où que j'avais trouvé des tridents de Poséidon. Merde, je pensais atterrir sur la... La plateforme centrale, on va y retourner, merdoum. Allez, zo. Merde. Ah, j'ai lâché prise. Excusez-moi. On aime recommencer la séquence. Non mais franchement, après, il va falloir que je sauvegarde parce que... Oui. Je n'ose plus y croire. Je m'agace tout seul. Et
Abandonware. Ce serait pas pour Poutine, ça, Abandonware. Si seulement. Si seulement. Bon, là, je sauvegarde. Je sauvegarde. Là, j'ai bien fait. Je la voyais passer en diagonale sans la moindre difficulté, mais... Merci, Nash. Merci. C'est que je dois pouvoir récolter des trucs là-dedans. Hein. Non? Non. Que quick. Oula, 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 oula! T'as pris la technique de Funfan, dit une scène. Un pas égale une sauvegarde. Ouais, mais là j'en avais un peu marre de me louper à chaque fois et de recommencer 10 fois le même truc. Ah, t'es partout, Christella. Steam, Epic, GOG, PlayStation, Xbox, Apple. Mais pas pour les jeux. Concernant Apple, ouais. Moi, pour ma part, je suis sur Steam, GOG depuis que Funfan m'a converti. PlayStation, parce que j'ai des PlayStation. Et c'est tout. Je suis pas Apple, je suis pas Xbox, je suis pas Epic. Non, non, moi je suis... Ouais, voilà, ouais, j'ai les trois plateformes me concernant. PlayStation Store, GOG et Steam. Voili, voilà. Pourvu que tout un chacun y trouve son bonheur. Ah oui, ça a que revenir en arrière pour le coup. Merdoum, c'était où que j'avais trouvé les autres tridents? C'est idiot, mais c'est le genre d'événement, vous voyez, il faudra que je remate mon propre ralenti pour me remémoriser où est-ce que j'avais trouvé les autres tridents. Parce que là, je finis par être complètement... Je finis par être complètement perdu. Allez là, ah oui c'est vertigineux. Yeah, stylé. D'ailleurs en parlant de stylé, pardon, mais il y a peut-être un truc dans cette jarre. Mmh. Ah oui, il y a du matos dans la jarre. J'ai failli y passer. J'ai failli y passer. Bah oui, mais c'est le truc de la flotte. Je retourne au truc de la... Là il y avait l'esprit machin truc chouette. Parce que il y avait les manettes ailleurs, mais il y avait les manettes. Ouais, il y avait les manettes pour les piliers. Merde, dommage, mon angle d'attaque était mauvais. Ouais, tant pis, je passe par là.
Ah, t'abuses. Ouais, je dis, t'abuses. J'ai rehaussé les piliers. Ouais, il y avait les deux leviers de piliers, donc ça me permet d'accéder à ça. Oh, je sais plus. Je sais plus. Je sais plus, je suis perdu. Je ne sais plus. Pour le coup. Et ici, j'étais venu de haut, de bas, de je sais plus quoi. Attends, là-bas il y a l'arche machin. Non, par rapport au bassin, non, c'est pas. Et bah là, c'est le même bassin. Franchement, la conception, elle est remarquable. Et là, je suis en train de me faire avoir comme un bleu parce que j'arrive plus à me dire où étaient les autres tridents. Merdoum. Attendez, pardon, je vais vous lire dans. Sous peu. Ah bah, il est temps d'arriver là. Ce qu'on avait fait, on avait fait le parcours inverse. Bah, merdoum alors. Quoi? On disait de lien terrestre non Nintendo, il me saoule. Il faut qu'il se réveille un peu. Blablabla, Switch, console, enfant. Non, oui, c'est troll. ça a piqué d'achèvement au vif. honnêtement, Nintendo a adressé à la famille, bien qu'ils tombent de façon leur différente de PlayStation Microsoft. Ils ont façon 2. Derrière des jeux qui fonctionnent pas avec eux, mais bon, comme je le dis, c'est gratuit, ça prend pas beaucoup de place. Tac. Funfun vers Christel. Après, avec leur communauté, ils revoient leur jeu, ils n'améliorent pas leur lien. C'est arrivé avec quelques jeux l'année dernière. RE2, ouais, d'accord. Un PC sauvegarde ne fonctionnait pas. Ah oui, c'est sûr, tu m'étonnes. Un peu frustrant comme expérience. Tac. Oui, non, t'as le droit de faire des romans, Funfun. Au plaisir de te lire. Mince, non, pas sauvegarder, on s'en. Hein. Je vais remonter un peu en arrière là parce que je suis frustré de mon. Je reviens au temple de Poséidon. Au temple de Poséidon, là c'est la chute. Mince, attends. Reviens sur le côté. Oui, je suis obligé de faire ça et en fait d'aller en parallèle. Voilà. Parce que sinon, je reviens aux canalisations de Poséidon. Donc, quand je suis en haut de ça. Ouais, il y a. Et ouais, je suis à la base du truc, quoi. Où étaient les autres tridents, bordeloum? Je vais refaire ouais, ces deux passages latéraux là et puis celui qui est dans mon dos pour vraiment bien m'imprégner le niveau. Donc là il y a un truc, on se bat. Ah ça je crois que je le maîtrise pas ça. Ça j'ai dû louper quelque chose. J'ai dû louper quelque chose par ici. Attendez. Je vais sauvegarder par-dessus ma précédente progression là parce que. Je pense très honnêtement que j'ai loupé un truc. Ici, j'estime l'avoir mal exploré. La preuve.
Ah bah c'est un cadeau de bienvenue ça. Voilà. La suite était là en fait. J'ai mal exploré le niveau. Et j'ai bon espoir de mettre la main sur deux autres tridents. Oh. Oh. Ça c'est du cadeau. Grosse trousse de soins, c'est bon ça. Mince, non, je peux pas faire ça. Je pensais. Oh non. Oh là là, les vilains tortionnaires mort-vivants. Oh non, il est déjà là en plus. C'est ça. Essaye de passer. Attends. Je vais prendre le fusil, tu vas voir. Mince, il a déjà passé le truc. Quand il essaye de sauter. Merde, j'ai loupé. Saligo. Ah, il est trop rapide. Oui. C'est comme ça qu'il faut les avoir. Un peu trop sombre à mon goût. Un peu trop sombre à mon goût. Mais non, c'est une fenêtre, on peut rien y faire là. On est d'accord, on peut rien y faire. Et encore, la fenêtre est étrange parce que... On pourrait nous suggérer qu'on a quelque chose à y faire. Oula, il y a un truc au-dessus. Ah oui, il y a un truc au-dessus à faire. Alors là... Je suis d'accord, je suis sorti de là. Mais, visiblement, il faut s'assurer d'aller sur le... Mais non. Attendez, il y a des trucs qui gravitent autour du... Attendez, qu'est-ce que c'est que ce... Ah, il y a une gymnastique et une énigme à résoudre dans cette pièce. Où est l'amorce de départ ? Je présume que je dois avoir une échelle quelque part, une échelle murale. Il me reste à la trouver. Ne serait-elle pas en face? Oh, ouah, ils m'ont fait peur. On recharge. Ils m'ont foutu les jetons. Donc faut que j'aille en face. Oh là 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 là. Merde, loupé. Zen, soyons zen, du sang froid dans les veines. Mais non. Mais c'est d'un ridicule. C'est d'un ridiculous. Merde. Ah. Je vais me le faire. Alors... Attendez, je vais le provoquer, puis je vais attendre qu'il essaie de passer sur le plus gros... Mais non, merci. Mais... Quand même dingue. Voilà, on n'en parle plus. Ce genre de truc, il se relève pas. Enfin, du moins, j'espère. Alors, qu'avons-nous ici? Ah! Effectivement.
Il y a une échelle murale. Je me disais que c'était obligé, vu la disposition des lieux. Je peux descendre? Étrange. Vraiment étrange. Bref. Oula, j'ai failli me mettre le pied là où il fallait pas. Alors, oh, tu te sens, t'es vilain. Tu taquines le pauvre Fun Fan. Bref, honnête. Honnête. Fun Fan qui répond à Christella. Alors qu'il y a une musique de. Oh. Alors, pour être honnête, j'ai dû essayer une dizaine de jeux du catalogue. J'en ai peut-être eu deux qui ont planté. Ah ouais! T'es en train d'essayer le Half-Life 2. Enfin, le Half-Life 2, sinon j'insiste. Le Half-Life version PS2, le jeu va trop vite pour toi. Énorme. Bah merde alors. Waouh. Oh non, pas eux. Oh non, 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 non. Oh non, il passera pas celui-là. Non! Ah, c'est abusé! Ah, du coup, je me retrouve au-dessus de la fenêtre que j'avais. Absolument superbe! Superbe! Y a rien à redire! J'adore l'atmosphère, le tout. Waouh. Je me régale. Je découvre totalement. C'est. Tomb Raider 4 est un opus que je ne connais absolument pas. C'est la toute première fois que je le fais. Totale découverte. Je me régale. J'en connais pas beaucoup, finalement, des Tomb Raider. Les trois premiers m'étaient familiers. J'ai fait un peu le. Le. Ange des Ténèbres, que j'avais adoré. Ah, attends, comment je vais m'en débarrasser de lui? Et merde. Sinon, les autres, je les ai tous à découvrir. Ah! Il y a un trident. Oui! Il y a un trident de Poséidon. Oui. Ah oui. Ah oui, je le veux. Bop. Mais non, là, c'est pas possible. Faut arrêter la déconnade. Ah. Mais oui, mais comment je fais pour l'atteindre? En biais, pardi. Ah mais non, même pas. J'ai qu'à passer derrière ce truc-là, moi. Oh. Il m'en faut un deuxième. Allez, il me faut un dernier trident de Poséidon. Poséidon in the morning. Ça ne veut rien dire. Je suis en train de chantonner. Poséidon le matin, oui, bien sûr. Oh! Alors, ça fait bien mal, mais. Moi, à sa place, je serais mort, mais à part ça. À part ça, tout va bien. Encore et je me balance et tu te balances et nous nous balançons. Allons-y gaiement. Oh, cette réception. Note artistique 10 sur 10. Bravo Lara. Ah! Il m'a déconcentré. C'est dingue. L'attrait. Enfin, l'attrait. L'effet psychologique qu'ont les squelettes morts-vivants sur moi. C'est. C'est. J'ai hérésie.
J'ai... Oh! Oui! Attendez. L'artefact précieux, il serait pas là par hasard? Enfin, non, j'y arriverai mieux en allant sur le... sur la plateforme en face, mais... Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors, ici c'est confortable. Je sais pas pourquoi je chante ça, je suis désolé, je deviens fou. Allié! Oui, je l'ai dégommé! Hein? Oh. Oh. Au sommet, le dernier trident. Ça se tient. Cette vue est presque indécente. C'est fini, oui. C'est quoi cet angle de caméra? Mais c'est scandaleux. C'est honteux, comme dirait Monsieur Poupon. Comme ça. Non. Merde, je sais plus. J'ai un bug dans la mémoire. Comme ça. Et on continue de... Elle est plus haut, elle est plus haut. Alors, Nash qui dit, ça c'est l'effet fin de journée, ou alors la chaleur qui tape sur la tête. Ouais, aussi. Aussi. Oh, attends, ça se ramasse ça? Mais non, c'est des vieux os d'un malheureux, qui lui, enfin, est resté en paix. Quoi? Il est déjà 18 h, c'est scandaleux. Ah. Oh! Oh, attends, je la sens pas. Un corridor comme ça, c'est rarement innocent dans Tomb Raider. Et pourtant. Le dernier trident. Oh non, mais 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 non, je les déclenche tous. Mais non. Mais non, non, non. Qui c'est qui a tiré un coup de feu? J'ai entendu un coup de feu, c'était pas moi. Il y avait aussi ça. Non, non, alors, non. Alors, je te préviens, ton Saint-Nicolas Sarkozy, sache que je t'en ai fait un montage, parce que c'est honteux l'image que tu m'as imprégnée dans la tête. C'est scandaleux, tu le verras dans la compile le 15 août. Ah non, le Saint-Nicolas Sarkozy, tu m'as rendu fou. N'importe quoi. Blah. Ah non, au secours. Hein? Oh. Bon, bah destruction de... où vous fumez, monsieur? Oh, fini, mais... Ouais, on l'a tous loué. Ouais. Mais qu'est-ce que tu mets, David Pujadas, dans le... Un très bon bouquin, tiens d'ailleurs! Tu me fais penser, petite parenthèse littérature, le peu de bouquins que je... Que je... Pourquoi j'ai ouvert ça, moi? Le peu de bouquins que je consulte, que j'ai plaisir de lire. Le livre de David Pujadas, qu'il avait fait par rapport au journalisme, mais j'ai plus le titre en tête, hein, il date d'il y a des années. Je vous le recommande. Moi j'ai adoré. Alors, on n'aime pas, mais moi j'ai adoré lire les écrits de David Pujadas. Et il avait raconté en fait la prise d'otage, enfin la prise d'antenne qu'il y avait eu au journal de France 2, bah, à l'époque où il présentait le 13h de France 2. Et que depuis, ils sont bunkérisés pour de bon dans le studio. Il s'est fermé par deux lourdes portes bien gardées pour éviter les prises d'assaut, quoi, en plein direct. Bah, il faut que je... Non, mais non! Il faut que je repasse en bas. J'ai pas compris le coup du... Je peux repasser en bas, moi je m'en moque. J'ai mon artefact moi maintenant, donc je suis plein aux as. Allez, saligo!
Les assassins, les villes gredins. Ah oui, la corde. La corde. Non! Ouf, elle s'est fait mal, mais elle est pas morte. Elle tient du miracle. Là, par contre, c'est haut. C'est haut. Faut aller en face, ma grande. Bon, bah, elle est encore en vie. Attendez, je vous lirai après dans le chat, vous l'aurez compris. Ah, attends, j'étais arrivé en face à ce niveau-là que je me suis fait peur, que j'ai fait une cabriole qui n'était pas voulue. Non! Il fallait que ça arrive, de toute façon. Je joue très mal. Tu pourrais... De... Quoi, quoi, quoi? Oula. Je suis son modérateur, j'arrive quand même à l'énerver. Oui, non, mais non, mais non, mais le coup du Nicolas Sarkozy, oh là là, c'est... Mais non, non, il y aura un photomontage éhonté par rapport à l'image que tu m'as mise en tête. Ah, bah voilà, faut qu'elle fasse deux fois la baramine pour aller dehors. Voilà, un peu d'air frais. Ah, oh, joueur. Ah, elle sort par là. Oh là là, la classe. Elle sort par là, mais moi je veux revenir au truc de Poséidon, moi. Comment je fais pour revenir au truc de Poséidon? Alors, au moins, j'ai libéré les accès. Ça, c'est la récompense d'avoir progressé dans le niveau. J'ai libéré les accès. Mais je vais retourner dans le truc de Poséidon, moi. Toi, toi, mon, toi, 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 mon, tout, mon, ouais. Il y a le vent qui souffle. Pas par là. Mais j'ai pas résolu l'énigme de Poséidon. J'ai les deux tridents qui manquent, mais il faut que je revienne dans la zone où on peut mettre les tridents. Donc il faut que je retourne à tout en profondeur du bâtiment. Là, je suis au sommet, à la surface, mais non. Il faut que je me barre dans le... Qu'est-ce que je fais? J'y retourne? Je repars en sens inverse? J'ai envie de dire oui. Je suis condamné avec Lara d'aller en sens inverse. Non, mais je vais y retourner, tant pis. Oh bah tiens. L'autre, comment qu'il est apparu? Non, non, il faut que... Là, je peux y aller sans risque. Après, je sais plus. Après, c'est en face. Merde. Oh là, j'ai eu du bol. Je me loupais une fois de plus. Là, il y a la corde, elle doit pouvoir s'accrocher. Merci Lara, tu me rassures. Et se réveillent tous. Alors, ceux qui n'étaient pas encore réveillés, c'est bon... Et il va falloir que je saute en face. Voilà, t'es une chef. Alors, la corde. Nickel. Non, j'ai même peur. Alors, pour le coup, j'ai peur de l'inverse. J'ai peur de me propulser trop loin. Et je peux faire pendant un truc en diagonale. C'est idiot, mais ça va me rassurer. Ah oui, c'est haut. Voilà, donc ça va. Elle s'en sort très bien. Vas-y, ma grande, vas-y, Lara. Alors, sauvegarde. Non, non, il faut que je retourne dans les égouts, dans les bas-fonds. Là où il y avait l'écoulement des eaux. Logique. Logique à la Poséidon. Hop, on descend. Elle s'est bien pété la cheville. Bon, j'ai des trousses de soins. Mais je suis pas fier de ce que je viens de réaliser. Hop, est-ce que... Ah bah, elle s'accroche même pas. On n'a rien vu. Elle s'est pété les deux chevilles.
Ah, j'ai jamais descendu aussi vite. Papa lipala papoum. Pi pi poum. Oh. C'était où? Attends, je sais même plus. Merdoum, je me mets d'où? Ah bah non. Ah là peut-être. Aïe. Agrippe-toi Lara, je t'en supplie, te fais pas découper. Ah, les tucs à l'apéro. Ça fait longtemps que je n'avais pas dégusté des tucs. Ouais, c'est pas dégueu. Mais non, mais c'est pas pour remonter. La sortie doit pas être loin par là-bas, je crois. Putain, mais la pauvre, je lui défonce les chevilles. Je lui fais faire des sauts suicidaires, là, c'est même pas la peine. C'est nimp. Non, c'est pas par là. Je vais retrouver où je suis censé aller. Peut-être cet escalier où j'ai failli me viander. Oui, 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 oui. Et oui. Ça y est, j'ai retrouvé tout mon enthousiasme. On va reprendre le haut de la liste des sauvegardes. La 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 la. Merde, j'ai pas pu en face. Elle va se faire mal. La malheureuse, faut prendre le mur en face. Elle va se faire mal. La malheureuse. Je suis désabusé. Ah. On y croit. On y croit, je sais où aller pour la suite. Motivation à moi, le trésor de Rackham le Rouge. Excellent niveau. Excellent. Le temple de Poséidon, je m'en souviendrai. J'ai quasiment jusqu'à le qualifier de dantesque. Ah merde! Ah mais c'est dégueulasse! Mais il m'empêche! Mais non! Je refuse! Je refuse de me faire bloquer le passage! Non! Je suis pas d'accord! Ah. Voilà! Et du coup, pardon! Ah non, mais franchement! L'horreur, quoi. Voilà. Ça, c'est une descente correcte. Nickel. Oups. Oups. J'ai failli avoir le pas malheureux. Oh.
On y croit. On y croit, on y croit. J'ai la soluce. C'est l'excitation de dire ça y est. J'ai plus à camberger, j'ai la soluce. Lara Croft va vaincre Poséidon. Youhou. Top motivation. A top motivation. Lara, t'abuses. T'abuses. Oui, elle pète le feu. Comment ça, Fun Fan le guide? Qu'est-ce que tu racontes, Clinton? Ah, seulement dans Half-Life. Oui, c'est vrai que tu m'as... Merci, ouais. Tu m'avais bien dépêtré dans Half-Life parce que là aussi, je devenais fou. Cette non-maîtrise de Lara, c'est... Sois discrète, allez, t'as raison. Ils vont pas te voir. Ils relèvent toi. C'est n'importe quoi. Avance, traîne pas ma grande. Tu vas te faire. Ça va mal se finir. Ça c'est mal fini. Va falloir que je les neutralise au pépon. Va falloir que je les neutralise au sacre saint fusil à pépon. Je ne suis plus assez prêt. C'est surtout la flamme. La flamme. Ça se joue à rien du tout. Voilà, merci. Allez, debout. De go. Énième animation. Il faut dire aussi, je l'aime bien. Non, j'ai pas pu. Je voulais enchaîner avec un saut, mais. Elle avait pas le pied d'appui. Et lui, non, il réagit pas. Ah! Merde, lui. Voilà, donc du coup, hop. Non, range le flingue et... Ça sert à rien. Ça sert à rien, ils sont trop rapides. Mais non. Et voilà, il me rebloque le passage. Oh, j'en ai marre. Oh, j'en ai marre. Usine, non, ça fait rien d'autre. L'arbalète, je pense pas que l'arbalète leur fasse plus mal, mais bon...
Non. Non, non, non. Je peux recommencer, me barrer. Et recommencer l'approche à la flamme. Voilà. Je deviens fou! Je deviens fou! Allez, comme un artiste musique, jouer la partition à la perfection ou presque. On y croit, on reste concentré, on ne désespère pas. Le pire, c'est que j'ai la soluce alors, en tête. Ils sont sadiques, hein. Au millimètre près, ils sont sadiques. Allez, hop, tu le fais à l'envers, je m'en moque. Finalement, tu te fais pas si mal que ça quand ça se passe de cette manière. Je m'en fous. Passer l'animation du trident de Poséidon, je re-sauvegarde parce que j'ai plus envie de me recoltiner tout ça. Je sature. Pas si perdu que ça finalement, elle avait la santé bien entamée. Toréador, prends garde à toi. Allez, c'est reparti pour un tour. Descends, Laura, je t'en supplie. Merci du coup d'épée, à défaut d'un coup de main. Allez, sauvegarde numéro 4992, je veux même plus compter, je m'en moque, mais j'avance. Merci. On y croit. Allez. Une dernière énigme. Putain, s'il me sort un cinquième trident Poséidon, je vous dirai pas où est-ce que je lui logerai, hein. Vous m'aurez compris. Ah, s'il me fait le coup là, je lui augmente le débit de sa turbine à chocolat. Ah, qu'on en sorte enfin. Magnifique niveau, mais alors le coup des squelettes là. C'est bien le petit signal de voir l'ombre portée au sol de Lara Croft. Pour se persuader que... elle est bien sur le... que vous posez pied, en fait. Oui, pardon, Nachevman, mais voilà, quoi. Na. La chaleur, je perds patience. Na. Excusez-moi. Bon. J'ai eu mon moment craquage. Il y a des trucs dans ces...
Bah, même les squelettes, ils deviennent ma boule, ils veulent se jeter à l'eau. Mauvaise idée. Alors, salut, je viens de terminer l'entraînement de Half-Life PS2 et franchement, le gameplay il est au top. La manette PS2 est meilleure que la manette PS3. Eh bah, c'est bien! Ah, bah, c'est cool, t'as plus qu'à nous programmer tout ça. C'est cool, là. Tu crois vraiment que c'est quelque chose qui me dérange? Sacré nage. Enfin bon, je pense quand même aux anonymes. Certains pourraient être choqués que je sorte de manière aussi fleurie dans le verbe de mes gonds. Mais bon, voilà. Je suis quand même pas mal bouffé par ce que viennent me faire les squelettes, là. Le coup de me barrer la route et de me faire bugger et de m'exploser, enfin... En dehors de ça, franchement, parfait, quoi. C'est vite énervant, ouais, bah ouais. Non, là, franchement, de la part des ennemis, c'était franchement. Oh non, une âme perdue. C'était relevé. Allez, saute la va. Il y a de l'eau. Oh, le saut de l'ange, comment qu'elle s'est mangée. La malheureuse, ça y est, j'ai enfin de l'eau. Ah, pour aller là, 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 pour aller là. Bip bip. Submersible, Lara Croft. Comment trouver le moyen de la diriger? On y retourne. Alors que la malheureuse continue d'être hantée. Oh. On va y arriver. Ah ouais. Vers le haut, vers le bas, je ne sais plus. Je suis perdu. Allez, tu le go. Nous sommes dans les secrets des Poséidons, dans les sacro-saints des Poséidons. Je prends le premier couloir qui me fait face. Oh là là là. Oh. Voilà, et oh, ça se multiplie là, les amérantes. Ouah. Attendez, je ne sais plus. Oui, ça fait très tombeau. Non, cette salle est fermée. Ce sera pour plus tard. Ah, Lara Croft est enrôlée par les gardiens de Poséidon. Oh là, il y a combien de ça se passe? Ah non, c'est un bouton. Ah bah, elle est morte. Elle est morte, la malheureuse. Putain, la vache, ils sont trois, les... Ils sont trois, les vilains. Attendez, attendez. En fait, ce que je prenais à un moment pour une porte n'était plus que... Enfin, qui était... Ce que je prenais pour une porte était un interrupteur mural. Il fallait appuyer dessus. Je crois que c'était ici. Voilà, ça c'est un interrupteur mural en fait. J'ai ouvert une trappe. Ok. Avec un autre. J'avais eu un infime espoir que ça chasse les esprits. Je sens qu'ils vont me gaver, eux. L'idée de me hanter, là.
Appelez-moi l'équipe Ghostbuster, chasseur de fantômes, s'il vous plaît. Tibidi-bidi-bi. 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 C'est pas possible parce que... Ouais. Je suis obligé de faire tous de vie parce que les fantômes lui aspirent la vie à une vitesse. Ça fait froid dans le dos, on peut le dire. Attends. Là, j'ai un truc, je peux remonter au milieu nombre. Oh là là, oh là là. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce dédale? On n'y voit plus rien. Ah, c'est un autre niveau. Ce qui me permet de chasser des esprits mauvais. Ce qui m'arrange bien. Incroyable! Le temple de Poséidon, c'est pas terminé. Je n'en reviens pas. Attends. C'est une blague? Ah non, non, non. Faut que je défonce le truc au pied de biche. Il faut que je défonce ça à la baramine. Oula. Oui, je me retrouve dehors, nous. Mais j'ai pas de gain, là. J'ai ouvert un accès pour le temple de Poséidon, mais j'ai aucun gain. Faudra que j'y retourne. Non, là, je peux pas y aller pour le moment. À mon avis, c'est une sortie. Ah oui, je retourne dans le... Attendez voir. Non, non, j'ai loupé un truc, c'est pas possible. Non, faut que j'y retourne, mais c'est juste que j'ai les fantômes qui me hantent, quoi. Oui, énième sauvegarde, je suis plus assez prêt. Je suis plus assez prêt. Bon, allez, je vais faire ça avec une torche. Voilà, je retrouve les esprits vengeurs. À partir de là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ah, il y a des tombeaux, d'accord, mais... Non, je peux rien faire. Je peux rien faire. Là, c'est fermé. Là aussi. Elle va quand même pas me proposer face à la porte de l'exploser à la baramine. Non. Pareil pour l'autre. Je vais mourir. Je vais mourir des assauts des. Voilà. C'est bizarre. C'est bizarre, bizarre. Bonjour ou même bonsoir, vu l'heure, mon cher Dragon Sky. J'espère que tu vas bien. Merci à toi d'être là. Ouais. Comment qu'elle est morte? D'accord. Vraiment le mode Lara Croft piège de tombe, ok. Je l'accepte.
Oui, non, vraiment la torche parce que là. Ok. Mais elle se fait déboîter par les fantômes. Aïe 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 aïe. Quoi? C'est une blague? Ah non, il y a un truc en haut. Non, non, il y a des trucs en haut. Il y a des trucs en haut, mais... Ah. Merde, elle est morte. Ah. Les esprits qui te bouffent toutes tes trousses de vie. Chibidi, chibidi, bidi, bidi. Je tourne jamais du bon côté. Encore sauvegarder parce que le passage là il est chaud. Merci, ouais, je veux bien l'éclairage. Allez, fonce ma bande. Nickel. Elle peut reprendre une trousse de soin. Ah, le gant, d'accord, j'ai. Ok, il faut que j'ai les deux gants. Ah! Fait du bien d'avoir chassé les vilains esprits. Alors j'ai gagné un gant, où est l'autre? Grande question. J'aime pas ce que j'entends. Lampion. Asiatique. Ici, un lampion asiatique. Sérieux? J'aurais jamais cru. Waouh! On va de découverte en découverte. Ah, c'est gentil, il y a un banc. Ah oui, repose-toi. Non, elle peut pas. Alors, je serai elle, je me reposerai 5 minutes. C'est magnifique. Mais non, pas le fusil, pas le fusil, pas le fusil, pas le fusil. Pour les belles céramiques. La paire de flammes classiques suffit. Non, ça va, ils se mettent pas. En même temps, je reconnais que j'aurais honte et je me... Voilà. Je culpabiliserais de péter un si beau... Torche. Non, je ne peux rien faire. On dirait des portes modernes. On est de retour dans la ville civilisée d'Alexandrie, là, quoi. Qu'est-ce que c'est? Hein? C'est la grande roue des malheurs. Il ne faut pas se laisser découper par la grande roue des malheurs. Oh, on va s'en payer une bonne tranche. Ah bah elle meurt. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah bonsoir Nainonette. Comment que ça va? L'ami Frobose Nainonette nous a rejoint.
Oui, donc on est d'accord, elle peut pas ouvrir les grandes portes là, quoi. C'est magnifique. C'est absolument magnifique. Alors, si je veux aller en face, j'ai autre chose. Ah, j'ai autre chose. J'ai le choix de mon épreuve, là. C'est mieux que Fort Boyard. Oups. Eh? Oh. Quoi? Des esprits de feu, mais c'est du bibi. Le papyrus, lis-le. Non, Lara, dis-moi que tu sais lire les hiéroglyphes. Non, elle sait pas. Au secours. Oh, mon Dieu. C'est horrible. Oh, ce jeu. Tu vas avoir fun fourras. Oui. Oh, hé, ce serait rigolo que tu te déguises un jour en père Foura, Funfun. C'est amusant. J'aimerais bien que tu essaies de l'imiter, tiens. C'est rigolo. Tiradidadou. Tiridouda. Tiradidoudou. Alors, cette grande malédiction. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ah, il faut que je barre par là-bas. Non, tu ne m'allumeras pas. Gros cochon. Oui, l'eau. On va avoir un problème là. Papa. Oh, c'est beau. Hop là. C'est beau. C'est magnifique. J'adore. Ah, il est bêtement tombé dans le... Ah ouais, ils sont morts dans le... Oh, ça me plaît beaucoup. Ces nigos sont fait avoir. Non, tu sais, ça t'intéresse pas, Lara? C'est quand même un artefact. T'es certaine? Ah non, tu veux pas. Il n'y a rien à lire dessus. Bon, effectivement, c'est écrit en petit. Mais bon. Quoi? Attendez, il y a quelque chose d'écrit sur les armoires. Génial, ma torche qui permet pas de d'éclairer davantage. Alcan, Alcan. Alcan, Alcan, ouais. Non, il se passe rien quand je suis devant une bibliothèque. Ah, c'est pas mal, les Égyptiens qui rangeaient leurs papyrus dans des losanges, là. Pardon. Faudra que tu rases le crâne, ça finira pas se faire naturellement. Là, la calvitie qui se pointe. Mais je tourne en rond dans la bibliothèque là. Je suis dans la bibliothèque d'Alexandrie là. C'est la bibliothèque qu'avait ouverte Cléopâtre, si j'avais bien compris dans le scénario. Si j'ai bien compris. Ah! D'accord. Elle a... Quoi? Mais non, mais tu peux pas là.
Je comprends bien que tu convoites d'aller là-bas, mais... Mais tu peux pas. Le vase? Non. On va pas monter sur le vase, tu vas te casser la figure. Attends, laisse-moi réfléchir, Lara. À moins de faire un massacre et de péter les vasques, les trucs, les tuyaux, là, pour qu'il y ait une inondation. Non, c'est pas ça. C'est honteux, mais c'est pas ça. Ouais, je peux grimper. Je peux grimper, je vais aller grimper. On va voir. Bizarre. Oh! Bah non! Bah merde! Elle peut pas faire de manip? Ah merde, Oum! Ah! Je connais pas cet endroit. Oh! Mince! Il faut que je ruse! Il faut que je ruse. Je peux pas tirer en l'air avec Lara, non? Je crois pas. Ah si! Si, il y a moyen. Si, il y a moyen. Ah, faut que je me recule. Ah, je vais pas voir l'angle. Eh oui, j'ai pas l'angle. Merde. Ah, s'ils l'ont fait si haut, c'est pour que ça se passe pas comme ça. Merdoum. Elle peut pas tirer une fusée de détresse à la verticale. De toute façon, c'est pas ça qui ferait péter le cadenas. Merde. Il y a quelque chose qui m'échappe. Il y a une logique, à mon avis, qui doit pas être loin de celle-ci, mais... C'est mon angle d'attache, d'approche qui est pas le bon. Oui, bah oui, je reviens à la salle des épreuves. Non. Non, il faut que je passe là, il faut que je passe là. À moins que il me manque un artefact que je vais trouver dans la salle en face. Rien ne nous interdit d'essayer de cette manière-là. Ah oui, c'est ça la bibliothèque perdue, The Lost Library. C'est la bibliothèque d'Alexandrie de Cléopâtre. Qui est franchement stylée. Merde. Goops. Oh. Oh, oh, oh. Je vois de belles choses. Oh, un missile peigneux comme dans Zelda. Aïe. Alors... Je me. Et la malheureuse, c'est peut-être. Non, mais il faut que j'aille tout en bas. Hein. Hop là. Oh non, mais non, mais non. Plus de soins. Puis monter, c'est... Aïe. Monter, c'est plus difficile. Vous êtes des sadiques.
On est d'accord qu'en face, il n'y avait rien. Non, il n'y avait rien. Qu'est-ce qui se passe? Ah, un mécanisme. Non. Oh, le vandalisme. Ce vandalisme. Alors, lui, je sens... Ok. Ok. C'est un mini-boss. Non, en bas. Il y a rien de... Ah si, je pense qu'il y a des bonus. Là. Je pense que la vasque est un bonus. C'est dur. Franchement, c'est dur. Mince, ça y est, je sais plus. Je me demande si à 19h on va pas basculer vers les bibis là, parce que je commence à... J'adore, hein, mais je commence à saturer là, en Tomb Raider. Je suis dessus depuis 4h je crois. Je suis en route vers les 4h, c'est pas mal. Vous aurez une belle ration de Tomb Raider. Oh, pichotum. Tant pis si elle se fait découper. Elle est morte. Ouais, j'en tombe de fatigue. Je vais essayer de passer l'épreuve là pour voir ce que contient la salle, si ça répond à ma logique de la trappe verrouillée. S'il y a un outil qui me manque, elle va débusquer. Une fois fait ça, on bascule dans Marble on Stream. On se fasse les bibis entre nous. Moi, ça va me défouler, ça va me faire marrer de vouloir jouer aux billes. En plus, on va pouvoir... Ah bon, faut désactiver les roues. On va pouvoir papoter entre nous avec les bibis. Je serai plus réceptif au chat, en fait. Oh, mince. Voilà. Alors, c'est là. De toute façon, la belle rose, elle se fait trancher. Alors. Alors lui, je crois que c'est un mouse costaud. Il va falloir que je me fasse au fusil à pépon. Oui, j'allais dire, il est incroyable. Punaise, je lui ai fait déguster de la chevrotine, mais vilain quoi. Quelque chose de méchant. Ah, attends, une fois que je suis là... Alors, il y a un chemin là. Il y a un chemin là aussi. Quoi? La bonne vue là, la bonne vue. Il y avait pas un truc derrière moi là? Non. Maintenant. Mais...
C'est quoi l'intérêt pour moi d'être là? Ah, je vois qu'il y a une trappe par ici, tiens. Pose la question, elle peut se prendre le pied dans le système et mourir broyée de manière horrible. C'est quoi le nom de l'étoile? L'étoile en or, ok. Allez, trash. Ah oui. Elle peut passer déjà. Ok. C'est moi ou il y a un truc en bas? Ah non, c'est moi qui rêvais. J'avais l'impression qu'il y avait un truc en bas. Merde. Et là, il se passe quoi? Mince, je suis dans l'axe. Oh. Et là, il y a des flammes. On va faire les bibis. On va faire les bibis. C'était génial. On va faire les bibis. J'arrive même plus à enregistrer le. J'ai bob. Mince. J'ai fait des bêtises avec mon interface. Attendez, excusez-moi. On va faire les bibis. Vous avez gagné le droit de voir ma tronche en gros plan. Que je vais éclairer un peu d'ailleurs. La lumière naturelle ne suffit plus. Hop là. Voilà, là vous me voyez bien. Ah. Alors, marble. Oui, on est le 8. Ouais, les bibis. Les bibis de Marvel on stream. Ah oui, ah le bonheur. Vous savez que j'aime les bibis. Allez-y. C'est 16/9 les bibis. Oula, j'en ai fait sauter mon interface de... Les bibis. Marboule. Marboule.